vous ne risquez rien. N'ayez pas peur. Ah, mais je voudrais pas vous déranger. Mais vous m'avez déjà fait assez comme ça. Vous ne me dérangez pas, vous savez. Dites-moi, vous prendrez bien un verre après toutes ces émotions, non? Installez-vous, je vous en prie. C'est gentil chez vous. Vous trouvez? Alors c'est vous qui êtes gentil, hein, parce que c'est vieux, défraîchi et obsolète. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer, moi? Du cognac, de l'armagnac, de la prune, de la poire? Ah ben je prendrais bien un petit armagnac. Va pour l'armagnac. Oui, j'ai hérité cette grande maison d'une vieille tante, voici une trentaine d'années. Alors bien entendu, il eût fallu que j'y fisse quelques travaux, que je la modernisasse au fil des temps. Mais que voulez-vous, à force de remettre à plus tard? Oh, ben, si vous vous y plaisez. À mon âge, la vie est faite d'habitude, vous savez. Pas trop, je supporte mal l'alcool. Ah, mais vous savez, c'est du bon, hein. Il est presque aussi vieux que moi. Ah, alors il est encore jeune. Oh, c'est gentil, ça. Un peu laudatif, mais gentil. Vous faites quoi dans la vie, vous? Rien, je suis à la retraite depuis 2 ans. Ah oui, mais avant? Ah, avant, j'étais professeur de français, agrégé. Ah, ben alors c'est pour ça. Pour ça que quoi? Eh bien qu'on a du mal à vous comprendre, c'est vrai, vous causez pas comme tout le monde, vous. Je sais que j'abuse un peu de l'imparfait du subjonctif, mais enfin, je ne pensais pas à ce point être abscon. Oh, j'ai pas dit ça, je me serais pas permis. Non, mais vous savez, en fait, l'imparfait du subjonctif, c'est un traumatisme de jeunesse. Ah bon? Oui. Oh, ben dis donc, moi je croyais que c'était un truc de conjugaison. Mais, non, mais c'en est un, mais voyez-vous, quand j'étais petit garçon, mon père, qui était instituteur, m'obligeait à faire des phrases à l'imparfait du subjonctif. À grand coup de règle sur les doigts. Oh, il tapait fort, la vache. Alors, il y avait donc intérêt à ce que je pigeasse assez vite pour ne pas finir avec des moignons. Alors maintenant, de temps en temps, quand je ne suis pas dans mon état normal, un peu d'alcool, une émotion forte, eh bien, hop, ça y est, je fais le crise d'imparfait du subjonctif. Eh ben moi, dans ces cas-là, vous savez où je bégaye, où j'ai le hoquet. Ah, et là, vous n'êtes pas dans votre état normal. Ah ben dites-moi, il y a de quoi, non? Parce que ce soir, moi, j'ai eu le droit aux deux, hein. À l'alcool et à l'émotion. Oh, ça a commencé par une soirée, un repas annuel avec d'anciens collègues. Vous savez ce que c'est? On a un petit peu forcé sur la bouteille, hein. Et ensuite, mon Dieu, il a fallu que je tombasse sur vous. C'est quoi votre nom? Et dans quelles circonstances? C'est quoi votre nom? Rousseau. Non, mais je veux dire votre prénom. Amédée Rousseau. J'eusse évidemment préféré que mes parents me prénommassent Jean-Jacques. Mais ce fut Amédée, ouais, en souvenir du grand-père paternel. Amédée Rousseau. Eh bien, moi, je trouve que ça sonne aussi bien que Jean-Jacques Rousseau. Pas pour un professeur de français. Mais enfin, bon, pensons. Donc, moi, j'étais... Et moi, c'est Katia. C'est très joli aussi. Donc, moi, j'étais dans... C'est vrai qu'il est bon, votre armagnac. Hein? Oui, ben tant mieux. Ben là, il est bon. Bon, je peux y aller. Où ça? Plus au bout de mes phrases aussi, quand même. Enfin, je voudrais en savoir un petit peu plus. C'est vrai, quoi. Vous avez pris ma voiture d'assaut en criant « Au secours, à l'aide, à moi, on me poursuit !» Alors... Oh, et là, je tiens encore à vous remercier. Oh, si. Parce que avant vous, j'ai essayé d'en arrêter d'autres. Ils ont tous accéléré, les salauds. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà arrêté à un feu rouge. Disons que vous n'avez pas bloqué la portière. C'est une vieille de chevaux, elle ne ferme plus. Ah, vous savez que vous êtes gonflant à m'aider? Enfin, vous ne m'avez pas jeté dehors. Bah dites, oh, je ne suis pas un sauvage quand même. Alors... Bon, d'accord. Voilà. Vous avez démarré. Au feu vert. Oui, et vous ne m'avez pas demandé d'explication. Ouais. Alors ça, bah, j'ai trouvé ça vachement sympa. Vous m'avez juste demandé où voulez-vous aller. Je vous ai dit n'importe où. Et vous avez dit, alors, allons chez moi. Quand j'ai bu, c'est le chemin que je connais le mieux. Et à partir de là, vous ne m'avez pas demandé, vous avez gardé le silence. Alors là, je peux vous dire, ça c'est la classe. Mettez-vous à ma place, j'étais sous le choc. Ah ben j'aurais bien voulu me mettre à votre place. Parce qu'à la mienne, vous savez, c'est pas de la tarte, hein. Mais enfin, mais dites-moi là, mais qui vous poursuivait? Un sale mec. Ah. Ceci dit, ça ne m'étonne pas, parce que c'est pas pour dire, mais les Halles à minuit, pas un endroit très fréquentable. Hein. Vous y étiez bien, vous? Oui, mais moi, j'avais dîné là-bas. Et puis, je suis un homme, et puis, sans vouloir faire preuve d'une bégueulerie excessive, je trouve que c'est un endroit où une femme encore jeune
ne devrait pas s'y trouver à une heure pareille, voilà. Ah, mais vous alors? Alors là, vous, c'est quelque chose. Qu'est-ce que j'ai encore dit de bizarre, moi? Mais ça vous est pas venu à l'esprit que c'est justement mon boulot? Me promener seul sur le trottoir à une heure pareille? Bon. D'après vous, je fais quoi? Vous êtes une contractuelle, non? Contractuelle? Mais il n'est pas vrai, c'est à m'aider, contractuelle. Je sais bien qu'elle aussi, elle font le trottoir. Ah. Mais vous avez vu déjà, vous, une contractuelle habillée comme ça? Et à minuit? Ça y est! Ben oui, évidemment! Ah oui, non, j'y suis. Oh, pardon. Ah oui, vous êtes une péripatéticienne, bien sûr. Mais pas du tout! Mais qu'est-ce que vous allez chercher là? Je suis une prostituée, moi, sais-tu? Mais c'est pareil! Péripatéticienne, ça vient du grec péripatin, qui signifie se promener. Oui, c'était l'école du philosophe Aristote. C'est ça, oui, tout le monde s'en fout, vous avez bien raison. Bon, alors donc, comme ça, vous êtes une... Une pute! Oui, une pute! Ah, c'est un beau métier, hein, et puis, mon Dieu, ça soulage. Et puis, elles sont là quand on en a besoin, quoi. C'est un peu comme l'armée du salut, ou les petites sœurs des pauvres, quoi. C'est... Ah, ben dites donc, maintenant que vous le dites, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai qu'on soulage. Ah, oui. En période de pointe, plus de 20 fois par jour. Oui, monsieur. Non. Alors ça, c'est méritoire, et plus utile que les ordres contemplatifs. Les quoi? Ah, vous voulez dire les voyeurs? Oh, ben vous savez, ils font de mal à personne, et puis, à chacun son truc, hein. C'est quoi votre truc à vous? Mon truc? Votre fantasme, quoi, on en a tous un. Ah, mon fantasme, oui, oh, moi c'est... c'est la télé et les mots fléchés, voilà. Et moi, je jouis... de ma tranquillité. Oh. Remarquez, du temps de Germaine, c'est ma femme. Voilà, du temps de Germaine, j'étais plutôt un bon client chez vous, voyez-vous. Parce que la spécialité de Germaine, c'était le clafoutis. Alors, sorti de ça, nada. À cette époque-là, j'avais encore des besoins, mais maintenant... Elle est partie avec un autre mec? Non, avec une bonne grippe. Oh, ben c'est pas grave, ça. Ah, ben dites donc. Je l'ai quand même attendu pendant plus de 30 ans, moi, ce virus. Parce qu'en 30 ans, il n'y a pas eu un kamikaze pour me tirer de là. Vous avez vu la tête qu'il avait? Ouais, c'est vrai. Oh, elle fait pas très câline, hein. Et encore. Là, la photo, elle est retouchée. Mais au naturel. Ah, oh, puis qu'est-ce qu'elle a pu me faire bouffer comme clafoutis? Vous avez des enfants? Non. J'ai pas d'enfants, pas de frères, pas de femme, pas de chien, pas de chat. Quelques rats à la cave, probablement. Bref, ici, c'est le calme absolu. Le pied, quoi. Ouais. Bon, eh bien, moi, faut que j'aille bosser un petit peu quand même. Vous voulez bien m'appeler un taxi? Oui, non. Je vais vous raccompagner à une station. En attendant... Prenons un dernier verre, il y a quand même des soirées qui s'arrosent. Ah, hein? Oh, doucement. Ouais. Après, j'ai plus la tête à ce que je fais. Parce que vous vous servez aussi de la tête? Ah, mais oui. Mais dans notre boulot, si on veut que ça aille vite, eh bien, il faut gamberger, c'est comme dans tout. Oui, évidemment. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il vous voulait, là, le sale mec, là, celui qui vous poursuivait? Là, c'est un mec qui veut que je tapine pour lui, et moi, je ne veux pas. Je travaille à mon compte et pas question de filer mon blé à une petite frappe qui va tout miser sur les canassons, les tables de poc. Allons. Oui. J'ai pas eu le temps de lire tous les sous-titres là. Alors si vous pouviez me répéter ça un petit peu plus lentement. C'est un mac. Pardon? Un macro. Oh, ben un souteneur quoi. Ah, oh là d'accord. Là. Oui, non, ça y est, j'y suis. Oui, d'accord. Un souteneur. Et donc il voudrait vous faire rentrer dans son écurie. Enfin, pardon, dans son équipe. Exact. Mais vous savez, c'est très dur d'être indépendante. On n'a personne pour nous protéger. Bon, eh bien, il faut que j'aille. Il faut que j'aille faire un petit peu de marche à pied. Oh, vous avez raison, ça c'est très bon pour la santé. Ah, vous seriez surpris des kilomètres qu'on peut se taper dans une journée. Sans compter les étages à monter, hein. Oui, dites-moi, en chemin, vous vous couchez quand même assez souvent, non? Oh ben dites, c'est pas du repos, hein? Ah bon? Eh ben mon petit Amédée, oui. Merci pour le sauvetage. Hein? Je vous en prie, il faut bien se rendre service. Oh là là,
J'ai bu un peu beaucoup, là. Je crois que ce soir, je vais prendre mon lit en marche. Ouais. Ah ben, vous savez, à part le parfait du subjonctif, ça se voit pas tellement, hein. Bon, mais je crois qu'il serait plus sage quand même que j'appelle un taxi. Non, parce que si jamais il vous retrouve, là, le sale mec, là, vous vous rendez compte? Oh, ben c'est pas grave. Paris est grand, je changerai de trottoir. Bon, alors, tu veux que je te fasse un petit quelque chose avant de partir? Hein? Ouais, je veux bien un café. Oh, mais je parlais pas de ça, idiot! Tu veux peut-être avec la foutie? Ah non, pas de la foutie, hein! Bon. Tu t'attends quelqu'un? Ben pas à cette heure-là, non. Ah! Ah, ça, je suis sûr que c'est Polo! C'est Popo, c'est Popo! C'est Polo qui vous l'a. C'est Polo! Oh, c'est le sale mec, il nous a fini, ça, c'est sûr! Mais... c'est Polo, c'est Polo, c'est Polo! Écoutez, c'est pas grave, rentrez ici, calmez-vous, je m'en occupe. Ah, attention, c'est un mec dangereux, hein! Oui, ben, j'ai fait la guerre, hein, c'est pas... Oh. Bon. Mais méfiez-vous, il est certainement armé, hein. Armé, attends, armé, attention. Armé, bon. Je suis peut-être bourré, mais quand même. Mais bah, ça va, tu peux te parer, toi, je voudrais t'y voir. Oui, bah j'arrive, y'a pas le feu. Oh. Où est-ce qu'elle est? Mais enfin, monsieur, mais en voilà des manières. Mais non, mais vous savez l'heure qu'il est. Il est 1h05. Où est-ce qu'elle est? C'est une heure parfaitement indécente pour se présenter chez des gens comme ça. À l'improviste, surtout chez des gens qu'on ne connaît pas, enfin voyons. Où est-ce qu'elle est? Aussi, je vous prierai de bien vouloir regagner la porte. Alors, si vous avez quelque chose à vendre, bien entendu, revenez demain, après 10 heures. On va régler ça tout de suite. Ah bon? Je te demande une dernière fois où est-ce qu'elle est. Et qui ça? Mais la gonzesse que t'as ramassée au hall. Mais comment voudriez-vous que je le suce? Enfin... le hasard a voulu que je passasse par là et qu'elle me demandât de la déposer ailleurs. Nous fîmes donc ensemble un bout de chemin avant que je la laissasse à un coin de rue. C'est clair, non? Dis, tu pourrais pas jacter comme tout le monde, non? Oui, ben monsieur, je parle le français. C'est une langue qui, hélas, se perd peu à peu. Et arrête de me prendre pour un con, tu veux? Ouais, je vous ai suivi, je vous ai vu rentrer ici tous les deux. Elle est pas ressortie à l'heure? Et elle est partie par derrière. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Ah, ben, eussiez-vous voulu que j'appelasse la police? Que vous y fussiez point prise autrement. Oh, dis Pépé, tu commences à me gonfler le boudin, hein. Ah bon, ben profitez-en tant que ça marche, parce que ça... non, ça dure trop. Jusqu'à présent, j'étais plutôt sympa, non? C'est vrai? Je suis pas venu te déranger tout de suite. Je t'ai laissé le temps de faire ta petite affaire. Un quart d'heure, c'est correct, non? Et puis écoute, si t'as pas encore payé, je te fais cadeau du coup. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est gentil, mais ça me gêne. Fussions-nous d'ailleurs des amis que... Bon, ben va fouiller la tôle. Ah ben dites-la, vous galégez, là. Et avec ça, je galège. Ah bah oui, là, ça fait nettement plus sérieux, là. Ouais, c'est ça, ouais. Qui ne sort jamais. Continue à marmonner, ça fait plaisir, mais reste tranquille. C'est pas possible. Sinon, je pourrais me fâcher t'envoyer une bastonce dans le buffet. Ouais, puis vu le tour de taille, on risque pas de te rater, toi. Non, mais dites donc, alors si en plus vous en prenez à mon physique, sachez, cher monsieur, que j'ai fait la guerre dans l'artillerie, alors c'est pas une petite... Ouais, pépé, tu vois pas qu'on doit raconter la guerre de 14, non? Comment ça, la guerre de 14? Non, de Dieu, la guerre de 14, je t'en fous de la guerre. Oh, mais oh, pourquoi pas la guerre de 70 quand on y est? La guerre de 14. Oh, toi, tu peux te marrer, toi. La guerre de 14. Pourquoi pas la guerre de 100 ans, non plus? Mais t'en fous, moi, de la guerre de 14. Petit con. La guerre de 14. La guerre de 14. Ami Van Nawer, la guerre de 14. Où c'est qu'il est? Polo, il est dans le placard. Quoi? T'as mis Polo dans le placard? Parfaitement, Polo est dans le placard. Alors, moi, Jean, peut-être aurait-il eu la chance que je passasse l'éponge. Alors là, il est mal tombé, le petit Mac. Oh, monsieur Polo, ici le sergent-chef d'artillerie Rousseau. Je vous signale que la puissance de feu est désormais de mon côté. Calibre 12, chevrotine. Avec ça, je peux pas vous louper. Alors écoutez-moi bien, je vais ouvrir la porte. Et alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de sortir les mains sur la tête. Ensuite, je vous accompagnerai jusqu'à la porte. Et alors là, rentrez chez vous. Parce que je ne suis plus d'humeur du tout à discuter. T'as compris? Quant à mademoiselle Katia ici présente, elle passera la nuit ici. Ah oui, mais non, ne vous méprenez pas sur mes intentions, vous savez. Vous serez une respectueuse respectée. J'ai 4 chambres à l'étage. Oh, il a compris, lui! Qu'est-ce qu'il dit, là? Je ne sais pas, il marmonne, il ronchonne, il bougonne, il... Bon, bref, j'ouvre la porte et pas de faux mouvements parce que là, je suis en batterie, hein. Il y a des Indiens dans le placard? Ah ben, mais non, c'est un cagibi, c'est pas une réserve indienne, enfin.
Oh, oh mon Dieu, mon Dieu. Ils étaient là sur l'étagère en face. A fallu qu'il aille s'en peler dessus, lui. Oh, mais qu'est-ce que tu fous avec des trucs comme ça aussi? 15 jours en Afrique, c'est encore une idée de Germaine, ça. En souvenir, j'ai ramené ça, une dysenterie. Oh, là, là. Eh ben dis donc, je crois bien qu'il est mort. Complètement, là. Ah oui, à force, connard, il faisait jamais les choses à moitié, hein. Ben remarquez, en Afrique, avec ça, il tue les éléphants. Alors ici, vous pensez, un macro? Bon, ben il ne me reste plus qu'à appeler la police, moi, maintenant. Oh, quelle histoire. Calmos, calmez-les, calmos. Si tu appelles les flics, tu vois un peu le merdier. Lui, c'est un mac fiché. Moi, je suis une pute fichée. Oui, mais moi, je suis un retraité qui est pas fiché. Ah. Alors, là, j'ai pas le choix. Je vais leur dire la vérité, toute la vérité. Ah, c'est ça, qu'il est rentré dans le placard, qu'il s'est planté une flèche en plein cœur. Banal, quoi. Et en plus, t'es rond comme une queue de pelle. Mais enfin, mais que voudriez-vous que je fisse? Je ne vais quand même pas le garder dans le congélateur. Il faut réfléchir. À quoi? Je n'ai pas le choix. J'appelle la police. Bon, ben la première chose qu'ils vont faire, ils vont te foutre en tôle. En tôle? Mais enfin, mais je n'ai rien fait quand même. Ah oui? T'as juste tué un mac pour lui piquer une pute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est ce que diront les journaux. Tu veux pas rien, hein? Ah, moi j'en ai vu d'autres. Mais enfin, mais vous êtes témoin, vous leur direz la vérité. Ah, ça, alors là, moi je pourrais leur dire n'importe quoi, ils ne me croiront pas. Ils diront que je suis ta complice. Et alors là, au trou, la nana. C'est dramatique. Ah, ben ça, je te le fais pas dire. Et si tu tombes sur un juge un peu vache, alors là, je vois ça d'ici. Ah, ça va être ta fête. Tu es le bourgeois, tu seras le bourgeois décadent et corrompu, le mec à abattre. Toute ta vie va y passer. Tiens, ta carrière dans l'enseignement. Germaine, l'Afrique, Luc Lafouti. Luc Lafouti. Oui, toute ta vie est allée en plein jour. À la une des journaux, tout est vice. Mes vices, mais je n'en ai pas. J'en ai plus, je suis que petit retraité, moi. Ah, oh, mais chez les petits retraités, il y a plein de traumatisés du slip. Mais je ne suis pas traumatisé du slip, enfin, quand même, je sais quand même ce qui s'y passe, moi, là-dedans. Je ne sors jamais, je reste toujours tranquillement ici, là. À jouer aux fléchettes dans le placard. Mais c'est un accident, vous dis-je. Bon, sans doute, il fallu que je l'ai mis ailleurs, mais enfin... Quoi? Non, les flèches, là, que je l'ai mis ailleurs. Mais elles sont là aussi depuis des années. Comment eussé-je pu vaticiner à ce point? Oh. Mon Dieu, prévoir qu'un kidam viendrait faire du gymkhana dans mon placard aussi. Oh, oh écoute, Amélie, je t'en supplie. Sois sympa et parle-moi en clair. Hein? Oh. Je sais que t'es pas dans ton état normal, ah, mais non. Merde, moi j'ai bien ravalé mon hoquet. Oui. Il faut trouver une solution. Bon. Eh bien, en attendant, moi je vais baisser le chauffage. Ça va peut-être ralentir la décomposition. Dis, si on l'enterrait dans ton jardin, là. Comment ça, l'enterrer dans mon jardin? Ah, mais non, mais c'est hors de question. Mais enfin, quand même, si je vais m'y promener tous les jours, moi, dans mon jardin, il serait moralement intolérable que je me baladasse sur du macro, quand même. Enfin. Ah, bah, trouve autre chose. Ah, autre chose. Bon, on va l'enterrer dans le bois de Boulogne, qui est c'est à côté. Génial! Ah. Alors là, génial! Est-ce que tu sais le monde qui traîne à cette heure-ci au bois de Boulogne? Entre les putes, les travelots, les voyeurs, les partousards et les poulets, si tu trouves un coin tranquille, eh ben moi je rentre au couvent. C'est si fréquenté que ça? Ah, mais il faut sortir un peu, mon biquet! Va tailler les bronches le soir! Ah, non, merci, là, vu le résultat, je préfère suffoquer chez moi, voyez-vous? Bon, eh bien on va le jeter à la Seine, hein? Elle est déjà polluée. Et après tout, remettre un macro à l'eau, toujours un beau geste. Ah, c'est jamais bon ces trucs-là, tu sais, tout ou tard, il va remonter à la surface, il y aura une enquête, et alors, oh là, non, bon. C'est pas bon ce truc-là. Eh ben, on va lui coller une gueuse, comme ça, il se sentira moins seul. Qui tu veux lui coller? On va le lester avec du plomb. Ah oui, d'accord, ouais. Bah. Bon, c'est pas très original, mais principal, oui, tu sais, c'est de pas se faire prendre. Autrement, c'est 10 ans de placard. Ah non, hein, le placard, c'est bon, merci, comme ça, ça suffit pour ce soir. Hein. Il n'y a plus de placard. Hein. Oh là. Alors écoute-moi bien. Tu vas amener ta bagnole, là, dans d'accord. Le jardin. Bon. Tu vas la mettre devant le perron. Oui. Ce qu'il faudra aussi, c'est une bâche pour enrouler le corps, là. Et puis, il faudra...
Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un autre type dans le jardin. Ah ben non, là c'est bon pour ce soir, hein, ça va. Ah mais dis donc, mais je le connais. Mais je le connais. C'est un petit Mac de deuxième ordre, tu sais comment qu'on l'appelle? Dédé la frime. Oh dis donc, alors là qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, je vais appeler la police, ils ont peut-être une idée. Oh arrête, tu veux, arrête. Laisse-moi gamberger. Vous y arrivez encore, vous? Ben vous avez de la chance, parce que là, moi, je patauge. Hein. Je te l'ai déjà dit, même chez les putes, il n'y a pas que cul qui marche. Ben moi, je me suis toujours arrêté là. Bon, alors, en réfléchissant, ça ne sert plus à rien de planquer le corps. Parce que lui, il ne repartira pas sans polo. Mmh. Et quand il va en avoir marre d'attendre, eh ben, tu sais ce qu'il va faire, il va venir le chercher. Ah, mais il n'y a pas de souci. S'il veut Monsieur Polo, il vient le chercher, il prend, je lui le donne. Je lui fais même cadeau de la flèche. Oh, arrête de dire des conneries, tu veux. Mais tu te rends pas compte si une équipe de voyous te tombe dessus. Mais ça va être ta fête, t'as buté un des leurs. C'est un accident, je leur dirai, c'est tout, voilà. Voilà, tu leur diras ça et que t'es un petit bourgeois bien tranquille, bien pépère. Ouais. Exactement ce qu'ils aiment à se mettre sous la dent. Mais ils vont te maquer, mon pauvre Amédée, ils vont te maquer. Me maquer, moi? Ah non, mais je voudrais voir ça. Ah ben, non, ah, superbe. Non, mais vous me voyez sur le trottoir en mini-jupe de cuir, en barésie, il y a un talon haut aussi, comme ça. Non, hein, mais enfin, je sais qu'il y a des détraqués partout. Enfin, quand même. C'était une métaphore, patate. Ah bon? Une parabole, si tu préfères. Oh, superbe. Non, enfin, ce que je veux dire, ils vont te mettre à l'amende et te piquer un maximum de pognon. Oh là. Eh ben, pour ça, encore faudrait-il que j'en eusse. Avec une petite retraite de professeur. Ah, te tracasse pas, ils trouveront bien le moyen de te faire cracher. Tiens, tu vendras ta maison. Jamais, j'organiserai la résistance. Je prendrai le maquis. Ouais, eh ben, il y en a un autre. T'en as marre d'attendre. Bon, alors écoute bien. Écoute bien. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu m'entends? Oui. Bon, je vais te tailler avec un costard sur mesure. C'est la seule façon. Écoute-moi bien, tu es un caïd. Oui. Non, parce que si j'étais un caïd, ça se saurait et il me connaîtrait. Tu es un caïd et tu reviens d'Amérique du Sud. Tiens, tu parles espagnol? Very poco. Hein. Oh là là, alors dans ces conditions, tu en dis le moins possible. Ouais. Tout ce que je te demande, c'est de te faire une gueule de dur. De dur? Une gueule de dur. Oui, tu m'entends, une gueule de dur. Tu regardes bien de temps en temps la télé. Eh bien, fais-toi la tête d'Alain Delon dans le samouraï. Alain Delon? Ah ben, c'est un rôle de composition, là. Elle m'aura encore dit Depardieu, bon, mais Alain Delon, une gueule de dur, Alain Delon. Allez, entre, Dédé, entre. Où c'est qu'il est, Polo? Mais qu'est-ce qu'il fout par terre? Qu'est-ce... Polo! Mais Polo, à quoi tu joues, là? Polo, à quoi tu joues, là? Oh, putain! Oh, putain, les couilles me l'ont tué! Il avait qu'une flèche, les sauvages! C'est qui a fait ça là? Merde, j'ai pas mon flingue moi! C'est qui a fait ça là? Moi je vous préviens que ça va pas se passer comme ça, hein, parce que Polo c'était mon pote, c'était mon frère. Hein. Je l'ai connu moi, on était haut comme ça. On a cassé ensemble, on a braqué ensemble, on a maqué ensemble. Ah non, moi, je vous préviens, il va y avoir un bain de sang. Hein. C'est l'autre gros qui a fait ça là? Je te présente Ahmed. Ahmed, mais c'est arabe ça. Alors comme ça, mon pote, il s'est fait dessouder par un tronc de figuier. Non, mais alors putain, alors là, on aura tout vu là. Mais c'est la vendetta ou quoi là, hein? Ahmed de Bogota. Ahmed, mais pourquoi t'as fait ça là, hein? Demandez à la mouquère. Avant toute chose, cher monsieur, juste aimé que vous vous présentassiez dans les règles. Qu'est-ce qu'il dit, là? En 20 ans de Colombie, il a un peu oublié le français. C'est Dédé, mon chéri, c'est Dédé. Ah, c'est Dédé? Alors, si c'est Dédé, alors c'est Dédé. Hey, il me connaît? Ah ben, Dédé, de réputation, hein. Hablas espagnol, hombre? Nein. Non! Il ne veut plus parler espagnol! Ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs! Calme-toi, mon biquet, calme-toi! Pour faire plaisir à ta petite Katia!
Je ne veux plus voir cette lueur meurtrière dans tes yeux. Quand tu t'y mets, tu es trop cruel, tu me fais peur. Ah bon? Dédé, c'est un copain. Ah oui? Hé! Hey, moi, je suis un bon copain de Katia, hein. Hé, hey, pas vrai, Katia, que je suis un bon copain? Ouais, bon, bon, alors, toi, écoute-moi bien. Vas-y, mollo, il est en manque. Ah, parce que... Ouais. Hé, hey, s'il en veut, je peux lui en fournir, moi. Non, il est en pleine cure de désintoxication. Oh putain, alors là, c'est dur, là. Tu es voilà. Bon, entendre. Oh. Alors, dis-donc, mon vieux Ahmed, qu'est-ce qui s'est passé, là? Demandez. Ouais, tu sais bien que Polo voulait que je tapine pour lui. Mais moi, ça fait 5 piges que je tapine pour Ahmed. Bah alors, et je croyais qu'il était en Colombie. Et alors, je suis une fidèle, moi. Pas vrai, mon nounours? Oui, ma biche. Oui. J'appartiens à un seul homme, moi. Ouais, mais attends, attends. Mais pourquoi que tu me l'as pas dit plus tôt? Il voulait hein, pas mais non, ça... attends, mais pourquoi que tu me l'as pas dit plus tôt? Entre nous, on sait pas la guerre, quand même. Il voulait pas que ça se sache. Et moi, je bois pas, moi. Tu sais très bien que c'est mauvais pour tes blessures, hein? Oui, alors effectivement, une très vieille appendicite. Et les coups de couteau? Et les coups de flingue? Oh putain, c'est vrai que Bogota, c'est dur, hein? Et dis donc, à Bogota, t'as reconnu Maradona? L'ailier gauche? Mais non, pas Maradona! Maradona! Celui du cartel de Medellin. Bah, le roi de la coke. Non, je connais personne. Ouais. T'as raison, faut être discret. Alors, dis donc, comme ça, t'as expliqué à Polo que Katia était à toi. Évidemment. Ah, ouais. Mais ça m'étonnerait qu'il eût bien compris. Oh, ça m'étonne pas. Ouais. Ça m'étonne pas parce que c'est une vraie tête de lard, ce mec-là. Ah. Oh. Non, tu sais, moi, j'ai eu de ces trucs avec lui, enfin... Je te raconte pas. Hein. Tiens, on pouvait même pas discuter avec lui, tu vois. C'était un mec froid. C'est le mot. C'est le mot. Et ça va pas s'arranger parce qu'il est de plus en plus froid. Là, hein. Eh ben, c'est bien fait pour sa gueule parce que, ouais. Moi, je vais te dire, il méritait une bonne leçon, tiens. Ah ben, ça, il l'a eu. Ouais. Ahmed ne supporte pas la contradiction. Ouais. Ah, mais moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Faut pas marcher sur les cocos à Dédé, hein. Attention. Non, faire remarque, c'est pas pour le défendre, mais... Polo, il avait quand même des excuses, hein. Non, fallait qu'il agrandisse son cheptel pour se refaire une santé. Parce que toi, tu le sais pas, mais il y a pas longtemps, le Polo, il était corps au placard. Si. Ah, si, je sais. Si, je sais. C'est même au placard qu'il l'a perdu, la santé. Ouais, hey, t'as tout compris. Non, hey. Deux gonzesses, c'était pas assez. Avec tout le pognon qu'il devait, il pouvait pas s'en sortir. Tu piges? Deux, c'est pas assez. Il y en a qui saturent avec une seule. Hein. Ah ouais, d'accord, oui. Avec une bonne gagneuse. Une fille comme Katia, par exemple. Ah, hein. Et c'est pour ça que Polo, il en voulait, la Katia. Ah, ouais. Merci Dédé, ça fait toujours plaisir. Non parce que, dis donc, t'es bien placé pour savoir que c'est une sacrée gagneuse la Katia, hein. Elle en une soirée, elle t'en ramène, hein. Oh, si elle en ramène, alors là, ça n'arrête pas. Bon alors, dis donc, j'aurais te demandé, Ahmed, qu'est-ce que tu vas faire du cadavre? Je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi, mais... Je ne peux pas le garder, alors si vous le voulez, écoutez, prenez-le, je vous le donne. Hein. Faut voir, Ahmed, écoute, il y a Ginette et Kiki. Bah, Ginette et Kiki, c'est les deux tapineuses de Polo. Elles sont jeunes et on va quand même pas les abandonner, hein, toutes seules. Là. Ah non, elles risqueraient de mal tourner. Hein. Ouais. Alors écoute, fais ce que je te propose. Tu m'enfiles une. Et je te débarrasse de Polo. Bah forcément, tu gardes celle que tu veux, hein. Ah mais non, il n'en est pas question, là. Ah mais attends, j'ai rien dit. Ah bon. Tu gardes les deux, hein. Ah mais non, vous me prenez Monsieur Polo et vous gardez les deux. Ah non,
Ah là je refuse. Ah non, là je refuse. Non, 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 écoute, non. Oh, ou tu partages, ou tu gardes les deux. Non, non, écoute. C'est quand même toi qui as fait le plus gros là. Mais non, non, je n'ai rien fait du tout. Rien. Ah écoute, ne sois pas si modeste. Dénu a raison, on partage. Tiens, envoie-nous Kiki, c'est une copine. Comment ça? Mais j'ai besoin de personne, moi j'ai envie de rien, moi je veux pas de Kiki, moi y'a plus de Kiki, terminé Kiki. Alors ne t'occupe pas, donne-nous Kiki, je m'en occupe. Mais j'y compte bien. Ok, bah d'accord, alors moi je fonce, hein, et je reviens dans une heure pour chercher le corps. Bon, je fonce chez mes potes qu'ont un truc pour compresser les bagnoles. T'inquiète, et quand le polo il sera passé dedans, il tiendra dans la boîte à gants, hein. Puis je m'occuperai de Kiki après. Mais tu l'auras demain sans faute. Oh, je vous en prie, prenez tout votre temps, alors. Ah non. Tout votre temps. Hein. Ahmed. Oui. Ahmed, fais-moi plaisir. Tutoie-moi. Bon, ben, prends ton temps. Voilà. Ahmed. Oui. Je suis content de t'avoir connu, Ahmed. Tu sais que tous les deux, on va former une sacrée équipe. Ahmed. Tu ne le regretteras pas. Eh, ben, juste préféré que nous nous fussions rencontrés en d'autres circonstances, mais enfin, pour cela, il eût fallu que nous anticipations cette rencontre. Ouais. Ouais, d'accord. Hé, t'inquiète pour le français, hein. Ahmed. Katia et moi, on va te prendre en main. Tu vas voir, ça revient vite. Merci beaucoup. Dis donc, Ahmed, posez une question, là. Qu'est-ce que tu fous dans un taudis pareil? Un taudis? T'as pas encore compris qu'il est en cavale? Bon, ben moi, je vous laisse. Allez, à bientôt, Dédé. Putain, mais c'est vrai, la Colombie, la coke. Oh là là, dis donc, t'as dû te ramasser un sacré paquet de pognon là-bas, toi, hein. Dis donc, Ahmed, ta retraite est assurée? J'ai cotisé pour ça, hein. Ah, t'as raison. Parce que tu sais, Ahmed, si tu les as aux miches, faut faire dans le discret. Et puis c'est pas ici qu'ils viendront le chercher, hein, les poulets. Sacré Ahmed, va. Ah, dis donc, je voulais te demander aussi, petite question, là. Pourquoi avec une flèche? Ah, c'était une occasion. Ah, il m'en reste une demi-douzaine. Ah, d'accord. En Colombie, c'était ma signature. Ah ouais? Ah, c'est original, hein. Et puis, dis donc, je vais te dire, ça impressionne plus qu'un trou de balle. Tu trouves pas? Ouais, c'est une question de goût, ça. Ça, franchement... Ah putain, c'est colombien. C'est quelque chose, hein. Bon, dis donc. Oui. Adios, amigo. T'inquiète, Dédé s'occupe de tout, hein. Toi, tu bouges pas. Je ne bouge plus. Kiki, ça fait trois fois que je t'appelle. Viens, ça va être froid. Oh là là. Oui, voilà, j'arrive. J'arrive, Katia. Ah ben dis donc, t'es longue à réveiller, hein. Je suis rentrée à 5 heures. Mais il est quelle heure? 3 heures. Ça te fait quand même 10 heures de sommeil. Oh, ben tu sais, Katia, le temps de me démaquiller un peu, de lire. Parce que tu lis, toi? Oh là-bas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ben cette nuit, je suis tombée sur un frappeur. Oh, ben dis donc, la vache, il t'a pas loupé. J'espère que t'as gueulé. Ben, je pouvais pas, il m'avait prévenu. Oh, ben, si tu t'es fait un spécial, ça c'est autre chose. Dis-moi. Il a casqué? Eh, hey, 20 000 francs! Oh, deux briques! Oh, ben dis donc, ça valait le coup! Il a cogné longtemps? Jusqu'à ce que je lui les rende. Oh, le fumier! Et à ce tarif-là, il pouvait t'en refiler 10! Tu vois, tu as tort de faire du spécial! On ne sait jamais comment ça peut tourner. Déjà qu'avec les normaux, ils ont des goûts bizarres. Tu sais, ces trucs-là, c'était bon du temps où il y avait les maisons. On pouvait appeler au secours, on se sentait protégé. T'as connu cette époque, toi? Quelle époque? Ben l'époque où il y avait des maisons. Dis donc, ils ont fermé en 1946.
de Marthe Richard? Moi, en 46, j'étais pas encore née. Oh, ben, moi, tu sais, les grosses, c'est difficile de leur donner un âge, hein. Les grosses! Continue comme ça, tu vas avoir les deux yeux pareils. Oh, ben, c'est vrai que t'es ont pas de rides, la peau bien tendue, alors... J'ai quand même 48 ans, ma petite. Oh, ben, dis donc. Eh, ben, dis donc, Katia, hein. Et tu les fais pas, hein. Eh, moi, je t'en donnais 5 de mieux, hein. Mais tu veux la bagarre ou quoi? Oh, mais écoute, Katia, t'énerve pas. Mais c'est un compliment, ma chérie. Une femme n'est belle qu'épanouie qu'à la cinquantaine. Elle remarque hier, sauf que je te filais un peu d'avance. Ouais, ben ne me refile plus rien du tout, bois ton café, ferme ta gueule. Oh bon, t'énerve pas, hein. Eh, dis donc, je voulais te demander, dis donc, il est où Ahmed, hein? J'en sais rien, il a dû sortir. Eh, dis donc, Katia, tu sais que c'est bizarre? Depuis une semaine que je bosse pour lui, il m'a toujours pas demandé des comptes. Eh, dis donc, tu crois que c'est un piège? Parce que c'est un grand seigneur, Ahmed. C'est pas comme ton polo, hein. Oh, dis donc, celui-là m'en parle pas. Eh, c'est que Ginette et moi, il nous a fourgués comme du bétail. Ah ouais? Oui, sans même nous prévenir. Oh. Non, 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 mais tu te rends compte? Et là-dessus, monsieur disparaît sans laisser d'adresse, même pas un petit mot. Ah, quelle éducation, hein. Si, d'abord, si je le vois, tu veux que je te dise, Katia, je suis crache à la gueule, moi. Oh là là, eh, dis donc, tu crois qu'avec Ahmed, on peut un peu tricher sur le pognon? Oh, un petit peu, mais pas trop, hein. Oh, eh, dis donc, eh, Katia, il faut absolument que j'en mette de côté, parce que moi, l'année prochaine, j'arrête, je laisse tomber, et je me marie. Ah bon? Avec qui? Oh, avec un jeune médecin, si tu voyais comme il est mignon, un amour. Et il sait ce que tu fais, là? Bah, tu rigoles, il trouve que j'ai l'air virginale. Oh ben dis donc, c'est certainement pas un gynéco, mais il est aveugle le pauvre. Oh mais pourquoi? Eh, dis donc, quand je vais le voir, Katia, je prends une petite perruque avec deux petites nattes. Je suis encore très jeune, moi. Je lui ai dit que j'étais étudiante. Étudiante en quoi? En langue. Oh ben tu sais, chérie, depuis le temps que je drague dans les grands hôtels. Ouais, t'es comme moi, tu sais dire 100 dollars dans toutes les langues. Voilà. Bon. Eh bien, il va être temps de te préparer, de commencer à te chercher une piole. Hein. Oh, mais dis donc, et pourquoi? Dis donc, je suis bien ici. Eh, dis donc, Katia, tu sais que cette piole est arrangée pour être vachement chouette. Eh, c'est vrai, un grand salon à côté, quatre chambres à l'étable, un double escalier. Eh, dis donc, Katia, au lieu de se geler les fesses en plein hiver, dis donc, on pourrait bosser ici. Eh, puis ce serait facile de se faire une clientèle d'habitués. Il suffirait de mettre l'eau courante dans les pioles, et voilà. Et Ahmed, tu le mets où? Oh, Ahmed, mais Katia, mais hey, t'as vu le grenier? Magnifique, des petites poutres, des belles fenêtres. Et dis donc, un coup de peinture, un bout de moquette, mais ça ferait un studio formidable. Tu devrais lui en parler, hein? Ouais, alors calme-toi si tu veux. Ahmed t'a prise ici parce que tu habitais chez Polo et que maintenant tu ne sais pas où aller. Mais dis-toi bien que c'est du provisoire. Tu es ici en transit. Bah, hey, dis donc, et toi, t'habites bien ici? Moi, c'est différent. Voilà, t'es la régulière, quoi. Toujours du favoritisme. Eh bien, c'est comme ça. Et dis-toi bien que sous son air bonasse, Ahmed, c'est un loup solitaire. C'est pas facile, tu sais. Bah oui, c'est ce qu'on dit, mais enfin, c'est quand même dommage, parce que franchement, dis donc, on pourrait faire une belle piole, hein. Oh. Je ne dis pas non, mais avec Ahmed, il faut prendre son temps. Oh, mais moi, j'ai tout mon temps, hein. Oh, oh merde, merde, merde. C'est une araignée. Oh, merde, une araignée. Eh, dis donc, c'est plutôt toi qui as intérêt. Ah, ben, c'est mouvant. Hey, t'as plus toute la vie devant toi, chérie, hein. Ah. Mais enfin, mais pourquoi avec une pantoufle? Mais il y a des pelles et des pioches à la cave. Avec ça, vous pourriez foutre la maison sans dessus en quelques jours. Surtout si vous commencez par le rez-de-chaussée. Il y avait une araignée du matin chagrin, hein. Et si vous êtes arrivé, vous aviez une araignée dans l'œil? Je me suis cognée. Elle est toute en douceur, hein. Regardez-moi ça, c'était là depuis 30 ans, ça. Oh, te tracasse pas, je vais venir un électricien. Arrêtez de toucher les fils, vous. Oh là 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 là. Eh, hey, dis donc, Ahmed. Eh, hey, dis donc, dis-moi où est-ce que t'as acheté à manger? C'est tout, là? C'est fini, là? C'est mon bras que... C'est le bras. Et avec les oreilles, vous ne faites rien non plus. Par mesure de sécurité, elle pourrait pas rester couchée pendant la journée, non? Ou alors, moi, je vais lui construire une cage dans le jardin. Oh, bah, écoute, je l'ai pas fait exprès, Ahmed, hein. Et puis j'aimerais que vous cessassiez de m'appeler Ahmed. J'ai francisé mon nom. Ahmed Amédée. Ouais. Voilà. D'accord, Ahmed. Hey, mais dis-moi, où est-ce que tu nous as acheté à bouffer, hein? Un chapon, c'est à la mode. Bah, c'est quoi un chapon? C'est un coq qui n'en a plus.
C'est pas un client pour vous, ça. Donc je vais aller le préparer. On ne touche pas à mon chapon. Je m'occupe de mon chapon. Contentez-vous d'écosser les petits pois, vous. Oh. Ah ben dis donc, il est fâché. Alors toi, on peut compter sur toi pour foutre de l'ambiance, hein. Oh ben dis donc, et Katia, je l'ai pas fait exprès. Elle est encore heureux. Tiens, et tu ferais bien de poser ce vase avant que tu le pétasses. Oh, dis donc, et pétasse toi-même, hein. Oh. Mais c'est le parfait du subjonctif, connasse. Ah bon? Eh dis donc, et Katia, t'as vu comment qu'il est fringué, Ahmed? Franchement, une vraie cloche. Et franchement, il fait pas mal du tout. Il faudrait peut-être l'arranger un peu. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, mais dis donc, le Mac, c'est notre standing à nous. Et si on nous voit avec ça dans sa vieille chaux pourrie, on va être obligé de baisser les tarifs. On va se retrouver, tiens, porte de la chapelle à 3,5 la passe, oui. Ah, je te dis pas, hein. Laisse-moi faire, j'ai déjà dit qu'Ahmed, il faut savoir prendre son temps. Oh, mais moi, j'ai tout mon temps, ce que je t'en dis, hein. Ouais, je sais, c'est pour moi. Allez. Hey, j'aimerais que ce soir on dînât assez tôt. 7h30, pas plus tard. Parce qu'à 8h, il y a le match France-Allemagne. Le match de quoi? Le match de football. Oh, dis donc, tu vas pas nous faire ça, Ahmed? Je ne vais pas faire quoi? Mais il y a un film d'amour sur la 2. Hey, Mayerling, c'est un archiduc qui saute une baronne. Ah non, mais l'archiduc, il peut bien sauter qui il veut, moi ça le regarde. Mais c'est une histoire vraie! Raison de plus, je ne m'occupe jamais de la vie privée des gens. Oh là là là, mais ça fait 3 jours que j'attends le film. Moi, ça fait 3 mois que j'attends ce match. Voilà. Écoute, et sois gentil, hein, sois gentil, Ahmed. Oh, m'aider, hein. De toute façon, dans un match de foot, là, le résultat qui compte. Et puis, ils te donneront des infos. T'auras même les buts pris sous tous les angles, vu d'en haut, vu d'en bas, de côté, au ralenti, en accéléré, alors, bon. Oh. Dans les histoires d'amour, c'est pareil, il n'y a que le dénouement qui importe. Et moi, l'histoire de Mayerling, je la connais par cœur. Ah. Oui, je peux vous le dire tout de suite, ça se termine très mal. Ils meurent tous les deux, l'archiduc et la baronne. Voilà, vous savez tout. D'ailleurs, dans les histoires d'amour, ça se termine jamais bien. Ou on se quitte ou on se marie. Alors... Oh là là là, dis donc, mais quel macho ce mec, mais il est pire que Polo, hein. Oh, écoute, Kiki, maintenant ça suffit, hein. Oh, ça commence à y... Je sens déjà l'odeur du clafoutis, vous. Hein. Bon, dites-nous, vous, juste aimé que les choses fussent claires entre nous. Oui. Certains aléas ont voulu que j'acceptasse de vous héberger, mais alors jamais, jamais, il ne fut question que vous m'enquiquinassiez. Oh, dis donc, j'ai jamais eu l'intention de l'enquiquinasser, comme il dit. Mais je ne savais pas que la télé était l'exclusivité de Monsieur Ahmed. Elle l'est. Et désormais, j'aimerais que vous le suciez. Oh, mais moi, je veux bien. Mais alors, tu me laisses regarder ma yerline, hein? Comment ça? Mais enfin, mais ça va. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, là? Mais ça va. Mais on dit, je veux que vous le sachiez. Je voudrais que vous le suciez. C'est la parfaite du subjonctif, ça. Oh, bah dis donc, qu'est-ce que j'ai comme client qui parle au subjonctif, moi? Bon, alors, Kiki, la discussion est close, pas de Mayerling. Je m'en fous. J'irai voir chez Ginette. Tant mieux. Et je mangerai pas du chapon, là. Bonne idée, au prix que ça coûte. Bon, écoute, Kiki. Oui. Tu vas éclosser les petits pois. Je te rejoins dans 5 minutes. Allez, calme-toi, mon Kiki, calme-toi. Calme-toi. Je suis calme, mais il serait quand même moralement impensable que je fusse... Non. Plus d'imparfait du subjonctif, s'il te plaît. Qui c'est qui va regarder son petit match France-Allemagne ce soir? C'est moi. Quelle excuse, celle-là? Elle est encore jeune, mais te tracasse pas, je vais la dresser. Oh, mais je m'en charge, parce qu'en 40 ans de professorat, j'en ai maté d'autres, hein. Oh là là. Il fallait voir ça, c'était pas comme aujourd'hui. Ah on bon? Savait se faire respecter. Ah. Alors, des morpionnes comme ça, j'en ai vu passer des temps. Je m'en vais te lui coller 4 heures de colle, moi. Oh, allez, ne joue pas au méchant. Mais je suis méchant. Mais non. D'ailleurs, la preuve, quand tu sors, tous les chiens du quartier viennent te faire la fête. C'est parce que je fais du diabète. Oh, vraiment, tu as réponse à tout. Hein. Tiens, au fait, il y a Dédé qui a téléphoné tout à l'heure. Ah bon, qu'est-ce qu'il voulait, lui? Je sais pas, il a dit qu'il rappellera.
J'espère qu'il n'y a pas de soucis. Ah non, pourquoi veux-tu qu'il y ait des soucis? Oh, il me l'aurait dit. Oh, tu sais, Polo n'était pas une vedette et tout le monde s'en fout de savoir ce qu'il est devenu. Hein. Dans la boîte à gants. C'est ça, dans la boîte à gants, il n'est pas prêt d'en sortir. Eh ben, espérons-le. Ouais, tu sais que Dédé a raconté partout que Polo avait une sale histoire sur les bras. Ah bon? Et que pour se faire de l'argent, il vous avait vendu Kiki et Blanche et Ginette. Il n'y a que Dédé, toi et moi qui connaissons la vérité. Les mauvais ne sont pas au courant, et je te le garantis, parce qu'on vient de parler. Allez. Pour elle, c'est une affaire régulière. Très régulière. Tiens, au fait, c'est pour ça qu'il faut que tu prennes l'argent de Kiki. Que je prenne l'argent de Kiki, maintenant? Tu es son souteneur, oui ou non? Mais je ne soutiens personne. J'ai du mal à me soutenir, moi. Déjà. Bon. Alors. Eh bien, écoute, si tu veux, il faut jouer le jeu. Oh. Si tu ne lui demandes rien, elle ne va pas comprendre. D'ailleurs, elle se pose déjà des questions. Elle m'en a parlé tout à l'heure. Mais enfin, mais je ne vais quand même pas tirer profit des turpitudes de Kiki, quand même. Oh, mais où vais-je, là? Où vais-je? Mais nulle part, elle te donne son pognon, tu le prends, et puis voilà. Ah. Et si tu veux te donner bonne conscience, tu lui donnes des cours de français à 500 balles de l'heure. Mais c'est pas le tarif! Ah ben, c'est le nôtre! Oh ben, si j'avais su! Si j'avais su, au lieu de travailler avec ma tête... Ah non, ça paye pas, ça, la tête, hein? En attendant, faut que tu sois à la hauteur. Parce que Dédé t'a fait une sacrée réputation dans le milieu. Oh là là, quand on parle d'Ahmed de Bogota, ben je peux te dire, c'est pas de la crotte. Hein. Tu es devenu un super Mac, une légende. Oui, monsieur, une légende. J'en suis ravi, ravi. Et hier encore, je n'étais qu'un petit retraité obscur. Et aujourd'hui, je suis un macro notoire. Donc, quelle promotion, hein. Tiens, Germaine. Toi qui disais toujours que je n'arriverais jamais à rien. Ben, tu vois, si j'avais commencé un petit peu plus tôt, aujourd'hui je serais l'ennemi public numéro un, dites donc. Oh. Et ça te change un peu? Ah, ça met du piment dans ta vie. Et, faudrait peut-être pas non plus que ça me donne des aigreurs à l'estomac. Parce que, voyez-vous, moi j'avais une vie calme, bien rangée, monacale. Alors sans transition, passer du monastère au bobinard, pas évident. Ouais, oh, te tracasse pas, ça va bientôt finir tout ça. D'ailleurs, Kiki est en train de se chercher un studio. Et moi, tu sais, j'ai mon appartement, moi je peux y retourner quand tu veux, hein. Je pas dit ça non plus. Ouais, moi si je reste ici, c'est à cause de toi, parce que je vais pas te laisser tout seul, je te dois bien ça quand même. Je sais ça, je sais, je suis nulle en imparfait du subjonctif. Mais il y a une chose que je connais très bien, c'est le milieu. Et alors là, crois-moi, je peux t'être utile. Et ça, évidemment, je suis... tout à fait d'accord avec ça et je préfère autant que vous soyez là, on ne sait jamais. Voilà. J'avoue que je n'ai pas vos connaissances en la matière. Et vous, la vie d'un professeur de français, même agrégé, n'est pas ce qu'on peut appeler une grande aventure. Hein. Je n'ai jamais eu l'occasion de quitter le droit chemin. Mon casier judiciaire est vierge, totalement vierge. Et qui c'est qui est vierge ici? L'huile d'olive, tiens, il y en a dans la cuisine. Bon, et moi j'écosse, j'en ai marre d'écosser toute seule, hein. Et faudrait peut-être pas te prendre pour la boniche, hein. Bon, écoute, Kiki, j'arrive. Oh, les petits pois. Puis bon, ce soir qu'on se défoule, hein. Ah, ça c'est Dédé, tiens, je vais lui ouvrir. Ah bon? Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Oh, je suis pas fait pour cette vie-là, moi. Salut, mon pote. Tout va bien? Au poil, ça baigne. Et toi, ma grosse, ça va comme tu veux? Ta grosse, elle dit merde. Génial, génial. J'adore les femmes qui ont du caractère. Pas toi? Ah si, surtout celle des autres. Hé, tu sais, Katia, que... j'ai encore entendu parler de toi hier soir. Pareil que t'as une sacrée technique, hein. Tu sais qu'il faudra que je vienne te voir. Enfin, en client, bien sûr. Hein. Ah bon? Ah bon? Tu verras, Katia. Je vais t'envoyer en l'air à la hussarde. Hop là! Hey! Eh ben, dis donc, mon petit Dédé, je crois qu'on va faire du rase-motte. Parce que pour me faire grimper, moi, il me faut de la tendresse, de la douceur. C'est vrai, ça? Hein? C'est vrai qu'elle ne marche qu'à la douceur? Oui? Oui, 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 oui. Oui, elle est comme les ceintures de sécurité.
Si tu tires trop sec dessus, elle bloque. Bon, moi, je fais un break entre le petit pois, hein. Oh, eh, salut, Dédé. Salut. Eh, tu me files une cigarette? Eh, dis donc, eh. Je rêve où t'as un œil en technicolor, là. Je me suis cogné. Tu t'es cogné ou on t'a cogné? Je me suis cogné, que je te dis. Eh ben, bravo, parce que tu cognes bien, hein. Et cogne surtout d'ailleurs, c'est une manie. Bon, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? Eh ben, je venais prendre de tes nouvelles, figure-toi. C'est gentil, mais enfin pour ça, fallait pas, tu téléphones, hein. Mais... Bon allez, Katia, tu dégages aussi. Parce que faut que je cause à Ahmed. Ahmed n'a pas de secret pour moi. Eh ben moi j'en ai. Ah mais toi, alors là je n'en ai rien à foutre. Tu m'entends, je n'en ai rien à foutre. Et là, hop là, hé, hé. Attention, faudrait voir à respecter l'homme. Hein. Oh, oh. Hé, Ahmed, t'as vu comment il me cause? Avec impertinence, hein, j'en conviens. Ouais. Bon, faudrait voir peut-être à être gentil avec notre ami Dédé aussi. Ahmed, dis-lui de se casser, sinon... Sinon quoi? Eh ben sinon, je lui dis de te coller une trempe, voilà. Ah ben Dédé, oh là, oh, oh. Nous n'aurons pas à en arriver à ces extrémités. Enfin, voyons, restons mondains. Enfin. Bon, écoutez, allez, faites-lui plaisir. Allez écosser les petits pois, parce que sinon, là... Et si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Y a pas mais pourquoi voudrais-tu qu'il ait besoin de toi? Ah, putain, ces gonzesses, mais c'est des vrais tarentules, c'est pas vrai. Mais si on les écoutait, elles nous boufferaient. Hein? Oh, hey, dis donc, Ahmed. Toi qui as beaucoup voyagé dans tous les pays du monde entier, et t'emmerdes partout pareil? Non. Ah non, non, non. Ah non, ailleurs c'est très différent. Ah oui. En Colombie, par exemple. Alors en Colombie, et t'emmerdes d'autant. Hein. T'emmerdes d'autant, mais alors uniquement en espagnol. Ah bon? Oui, en Chine, c'est en chinois. Oh. Au Japon, c'est en japonais. Alors ça paraît pas, mais quand t'es pas habitué, ça change. Si on veut. Ah oui, oui. Bon, dis donc, hey, je voulais te demander. Oui. La petite Kiki, t'en es content? Ah, ça peut s'améliorer, hein. Oh, je sais bien qu'elle est jeune, mais... Bon, je sais bien qu'au boulot aussi, elle casse rien, mais bon... Oh, alors en dehors du boulot, qu'est-ce qu'elle casse? Ouais. Bon, et dis donc, je suis venu te voir, Ahmed, parce que figure-toi que... On a un petit problème. Allons bon. Ah, mais deux fois rien, rien de grave. Tu sais que... On est 5 Macs à se partager la rue. Enfin, 6 avec toi. 6, oui, c'est parfait. Alors, figure-toi que avant-hier, il y a un mec qui nous a collé 4 fleurs exotiques sur notre trottoir. Ça pousse sur le trottoir, ça, les fleurs exotiques? Mais non, je veux dire 4 gonzesses basanées, quoi. Bon, alors, nous, on les a virées aussi sec, hein. Mais le mec est revenu à la charge et il veut voir le porrin. Le porrin de qui? Le chef du clan. Alors, on s'est réunis tous les 5. Et puis, on a décidé que... C'était toi le mieux placé pour nous représenter, voilà. Comment ça que c'était... Mais enfin... Mais pourquoi moi? Écoute, quand j'ai parlé de toi la première fois aux copains, il y en avait déjà 2 qui te connaissaient. Alors, qui me connaissait, moi? Oui. C'est bon. Eh oui, 2 réputations, hein. Il y en a un qui a dit... Oh, Ahmed de Bogota. Alors ça, c'est du sérieux. Eh, même moi, Ahmed, je me demande si j'avais pas déjà entendu parler de toi. Tu sais, les réputations, ça va vite. Hein. Oui, mais là, ça va trop vite. Trop. Là, il faut freiner, là. Parce que moi, je connais personne et ça tombe bien, je veux voir personne. Bon, et dis donc, Ahmed, te fâche pas, mais... Bah non. J'ai amené le gars avec moi, il est là dans la voiture. Hein? Comment ça? Ah bah non, Dédé.
Tu me l'as pas amené là? Dans la voiture? Ah, juste préféré que tu t'abstinses de prendre cette initiative, hein, parce que... Mais je pouvais pas faire autrement. Tu es donc. Mais, écoute, hein, je pouvais pas faire autrement. Et de toute façon, il va jamais retrouver ton adresse. C'est pas possible. Pas avec tous les détours que je lui ai fait faire, allons. Il est là, dans la voiture. Ah ben oui. Ah ben, il est là, voilà. Et alors, je fais quoi, moi, maintenant? Faut peut-être que je le garde à dîner, aussi. Oh ben, c'est à toi de voir, hein. Bon, ben, dis donc, moi, je vais te chercher. Ah, faut quand même que je te prévienne, il est du genre typé, hein. Oui, ben... Et alors, méfie-toi, parce que ces gars-là, ils sont susceptibles. En plus, il est susceptible. Ah ben, c'est parfait, voilà. Maintenant, c'est moi le chef. Ah, quelle promotion, hein. L'adjudant en chef vient d'être nommé général. Ah, ça va plus vite que dans l'armée, hein. Il est parti? Oui. Vous connaissez la dernière? Ah ben oui, j'ai écouté derrière la porte. Oh, quel con, celui-là, d'avoir amené quelqu'un ici. Vraiment, c'est un ringard de première, hein. Voilà, bon, ben, alors, qu'est-ce que je fais, là, moi, maintenant? Ah ben, si tu autorises le gars à mettre ses filles sur la rue, ben, c'est les copains de Dédé qui vont pas être contents. Oui, ben, si je refuse, c'est lui qui va pas être content, en plus. Ça, c'est cornélien. Évidemment, il eût été préférable que je satisfisse tout le monde. Oui, calme-toi, calme-toi, mais décalme-toi. Mais moi, je veux bien. Alors après, ce sont les autres qu'il faudra calmer. Oui, je sais, la situation est délicate. Mmh. Voilà ce que c'est de devenir célèbre. Mais j'ai jamais voulu être célèbre, moi. J'étais très bien en caporal-chef. J'ai jamais voulu être général. Bon, alors écoute, tu laisses parler le gars. Oui. Et tu lui dis que tu vas réfléchir. Il faut gagner du temps. Et s'il veut une réponse tout de suite? Tu la lui donnes à l'imparfait du subjonctif, le temps qu'il comprenne. De toutes les façons, il faut que tu restes énigmatique. Ouais. Tiens, tu te souviens de Marlon Brando dans Le Parrain? Ah, parce que c'est plus Alain Delon, là? Oh, ben je fais une grande carrière cinématographique, moi, disons. Oh, les voilà, je te laisse. Et dis-toi, je suis derrière la porte, je t'écoute. Plus au feu rouge, moi, c'est trop dangereux. Ahmed? Oui? Je te présente le camarade... Ah, ouais. Pas bon polo. Oui, ah, enchanté, monsieur, il n'y a plus de boulot. Ah, non. Pas mon polo. C'est ça, oui, je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Ah, ben, dis donc, pour être typé, il est typé, hein. Dis donc, t'as pas de cigarette, toi? Non, je ne fume pas. Est-ce qu'il y a un bureau de tabac dans le coin? Oui, en bas, à gauche, à 50 mètres en descendant. Ben, j'y vais. D'accord. J'y vais, et je vous laisse le temps de... De faire connaissance, hein. Oui, voilà. Alors, mon cher, passe-moi le vélo, là. Ah, pas mon polo. C'est ça, oui, voilà. Alors, vous venez d'où? Du Gabon. Oh, c'est un très beau pays, ça, le Gabon. Tu connais? Non, pas du tout, non. Ah, bon, dis-donc, là. Oui. Je ne vais pas y aller par quatre sentiers, hein. D'accord. Si j'y suis venu en France, c'est pour pouvoir me faire une place au soleil. Tiens donc, le ciel est couvert au Gabon. Ah, dis donc, t'occupe pas. Moi, j'y vais pouvoir travailler tranquillement, la nuit. Toi, comprendre ça, dis donc. C'est curieux, dites-moi, ça va poser un problème, là, parce que même en France, pour se trouver une place au soleil la nuit... Moi, je sais très bien ce que je veux dire. C'est essentiel. J'ai l'amené 4 filles du Gabon. Ce sont les filles d'un roi qui est un ami à moi. Les filles d'un roi? Ça change tout, là, voyez-vous. Parce que alors, si ce sont des princesses, il faut les envoyer tapiner à Versailles. Le château a toujours été un des plus grands bobinaires de l'histoire de France. Moi, je veux rester à Paris. Bon, bah, ça va poser un autre problème. Toi, tu trouves la solution, hein, dis donc. Oui, mais enfin, bon, si aussi vous me laissassiez le temps de vous expliquer que... Les éthers qui ondulent sur notre macadam ne sont que de simples plébéiennes et qu'à la vue d'une aristocratie un petit peu provocante, elle pourrait fort bien avoir des réactions révolutionnaires. Vous saisissez là, dis de... Tu veux pas me le dire ça en français? En français? Eh ben nos putes vont virer tes princesses à coups de pompe dans le cul, là. Tu piches, Banania? Allons là, c'est la gueule. Allons là. Je sens le coucou. Je sens le coucou. Ah, c'est une belle case, ça, hein? Oui, mais je suis complet pour la saison, là. Ça serait blette si elle brûlait, oui, ta oui, case, oui, là. Oui. Ah oui, c'est... Ben alors, écoutez, monsieur, passe-moi le...
Pas mon polo. C'est... Pas mon polo, oui, merde. Oui. Pas mon polo. D'accord. Oui, alors, oh, si c'est de l'humour noir, je veux bien en rire. Sinon, je vous signale qu'il m'a toujours été fort désagréable que des individus, quels qu'ils fussent d'ailleurs, proférassent à mon encontre des menaces. J'aimerais que vous vous le tassiez pour dit. Moi, je ne menace pas. Ah bon? Je promets. Ah. Si mes filles ne peuvent pas travailler là, ta case là. Ta case elle brûle. Tu as compris là? Ta case là. Tout ça là. Tout ça ça brûle là. Je vous en prie. Alors là, si mes filles ne peuvent pas travailler ici là, ta case là. Mais monsieur. Elle brûle, tu as compris? Ta case, elle. Ah, nom de Dieu, coupez! 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 Changement. Merci. Donc, en ce qui te concerne... Oui, tu veux que je fasse la tête de Catherine Deneuve? Non, tu me laisses parler et tu ne dis rien. Alors, comment que ça se passe? Oh, putain. Il est... Ouais. Oh, non. Ouais, oui. Oh, non, Ahmed. Oh, non. Non, là, là, tu pousses, Ahmed. On peut plus te présenter personne, maintenant, là. Qu'est-ce qui s'est encore passé, là? Je l'ai mis au courant. D'accord, d'accord, mais c'est pas une raison. Ah, si, si. On n'est pas en Colombie, ici, Ahmed. Hein. Bon, je sais bien que là-bas, ça flingue à tout va, mais... Elle est où, la flèche, là? Ah non, là, il n'y a pas de flèche, non. Il lui a juste pris la tête entre les deux mains, comme ça, il lui a fait crac-crac. Tu lui as fait crac-crac? Je suis ou cric-cric ou croc-croc, enfin, j'ai pas l'oreille musicale, hein. Oh merde, mais Ahmed, mais pourquoi? Mais t'as bien une raison, T'es raciste? Écoute, j'aimerais assez que tu me crusses si je te disais que cet immigré me tint des propos propres à ce que je m'énervasse. Oh là, calme-toi, mon piquet, calme-toi! Et explique-nous ça en bon français. Alors, il avait ramené les filles du roi qui étaient son copain. Et nous, si on n'acceptait pas les princesses, il était prêt à sortir son coupe-coupe pour se tailler une place au soleil la nuit. Il avait même prévu de mettre le feu dans ma case. Voilà, tous les détails y sont à peu près. Katia, viens. On ne peut plus le laisser comme ça, là. Hein. Tu crois? Faut lui redonner de la coke, là. Sinon, il va nous buter l'épicier, le charcutier, le boulanger. Là, tout le quartier va y passer. Il devient dangereux, là. Hein. Bon, dis donc, Ahmed, hein, on va pas porter le deuil pour ça non plus, hein. C'est pas grave. Bah, écoute, mon vieux Ahmed, tu vois, de toute façon, les copains seront pas mécontents. Puis moi, je vais te dire une chose. Parce que, à mon avis, il serait arrivé au même résultat. Seulement, ils auraient mis beaucoup plus de temps, quoi. Hein.
T'as été le plus rapide. Sacré Ahmed. C'est une question d'habitude, ça. Au début, on hésite un peu, puis après... Voilà. Faudra quand même que tu m'expliques le coup du... crac-crac. Hein? Ah, l'emmerdant, dit... Ah ben oui. L'emmerdant, c'est que... Ben, je peux pas l'emmener chez mes potes, ceux qu'on la presse pour... Ah ben non, mais pas en plein jour. Ah non. Bon, et Katia, tu vas vider le coffre, on va le mettre dedans en attendant. D'accord? Mais dedans? Oui. Allez, vide le coffre. Non, et puis je reviendrai le rechercher ce soir, après France-Allemagne. Hein? Tu regardes pas Mayerling? Mayerling? Contre qui? L'archiduc et la baronne. Oh là, il va vraiment pas bien, là. Oh, ça va lui passer, tu sais. Bon, dis donc, Oui. Hey, Ahmed, alors on fait comme la dernière fois, hein? Ah oui, la boîte à gants. Non, mais non. Ah, non. Il avait 4 gonzesses. Oui. T'en prends 2, j'en prends 2. Ah non, mais à ce moment-là, t'en prends 3, j'en garde qu'une, moi. Hein. Ah mais non, c'est... Des étudiantes. Ouais. Pas des mégères. Alors, s'il vous plaît, un peu de calme. Hmm? Qu'est-ce que c'est que ça? Un bananier. Ah ben, comme ça, on crèvera pas de faim. Hey, il est en plastique. Oh, les bananes en plastique, c'est encore plus bourratif. Je t'attendais pour savoir où tu veux que je le mette. Dans la chaudière. Hey, tiens, bonne idée, j'y avais pas pensé à la chaudière, tiens. Mais qu'est-ce que vous avez tous contre mes plantes?
C'est joli, ça décolle. Tu devrais être content. Mais je suis ravi, ravi. Tiens, en attendant, mettez-moi ça dans un coin. Oh. Donne-moi un coup de main. Oh là 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 là. Écoute, la prochaine fois, tu prends un poster, ça sera moins lourd. Moi, il me faut de la verdure, Poubi. Si j'ai pas de verdure, j'ai le cafard. Et quand j'ai le cafard, elle broie du noir. Raciste, sale raciste. Hé, anti-blanche. Je vais la bouffer, c'est le lait, je vais la bouffer. Hé, hey, dis donc, pourquoi t'achètes pas un cocotier? Comme ça, tu pourrais t'y installer. Et comme ça, tu nous foutrais la paix, hein. Je te dis que je vais la bouffer. Oh, 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 oh. Oh, bah ben, ça marche. D'ailleurs, si j'avais su ça 40 ans plus tôt, moi. Ah, ça c'est mon... C'est un ami. Oui, va lui faire la bise. J'arrive. Enfin, un peu de calme. Séparément, ils sont très bien, mais dès qu'on les met ensemble, tu as vu, alors là, boum. Ah, c'est comme des trous et glycérine, quoi. Écoute, Amel, je t'assure que moi, il me faut de la verdure, Poubi. De la verdure? Eh ben, on va te commander de la luzerne. Ça me rappelle mon pays. Ah. Déjà qu'ici, le temps est dégueulasse. Alors si, en plus, j'ai pas de verdure, je deviens triste. Très triste. C'est embêtant, hein, pour une fille de joie. Je n'ai plus le cœur à l'ouvrage. Bon, ben on va pas te dépayser. On va installer un baobab là dans le milieu. Puis tu vois, autour, on va mettre des arbres. Et puis, tant qu'on y est, on va installer des lianes pour traverser le salon. Et puis, on mettra des animaux un peu partout. Comme ça, au lieu d'aller faire le marché, ben on fera des safaris. C'est plus sportif. Tu te moques de moi? Mais non, mais non, mais non, mais... On l'a échappé belle, hein. On aurait pu tomber sur une esquimaude. Alors là, il n'y avait plus de chauffage. C'était l'igloo dans le salon. Les otaries dans la baignoire. L'ours blanc dans l'entrée. Oh, on l'a échappé belle. Encore un copain? Oui, c'est pour moi. J'ai mis du champagne au frais. Faudra te faire penser à installer une lanterne rouge dans l'entrée, hein. Oh, écoute, tu exagères. Ce sont des vieux copains. Vieux sûrement. J'en ai croisé quelques-uns dans l'entrée, là, mais ils ont tous l'âge de la retraite. C'est fou ce que ça fait copiner à cet âge-là. Oh, écoute, Kiki et Blanchette essaient de les distraire un peu. Elles ne font aucun mal. Oh, mais je suis sûr qu'elles font même beaucoup de bien. Seulement, voilà, je ne voudrais pas que ma maison devienne un établissement renommé. Je ne tiens pas à finir dans le guide Michelin, moi. Avec mon passé d'assassin, je préfère faire dans la discrétion. Oh, ben, tu sais, eux aussi préfèrent la discrétion. Ouais. Ils viennent juste s'amuser un peu. Eh ben, qu'ils aillent faire joujou ailleurs. Parce qu'un coup de sonnette de temps en temps, ça va, mais alors là, plus ça va, plus il y en a. Je peux même plus circuler tranquillement chez moi. L'autre jour, j'en ai croisé un dans l'entrée, là. Il m'a demandé, vous montez avec Kiki ou avec Blanchette? Alors, il y a eu la tête qu'il a fait quand je lui ai dit que je montais tout seul, moi. Bah écoute, il n'y a qu'à mettre tout le monde dehors et on va dire que la maison est fermée. Ah, surtout pas. Plus une maison est close, plus il y a de monde. Oh, écoute, de toute façon, c'est encore trop tôt, hein. Il faut que tu... Patiente encore un peu. Mais ça fait 2 mois. Oui. 2 mois que je loue des chambres à des étudiantes. Alors, je sais bien qu'à notre époque, on ne peut pas empêcher des étudiantes de s'envoyer en l'air. Mais enfin, quand même, il y a des cadences à respecter à ce train-là. Ça va jaser, hein. Ah, de toute façon, Kiki va bientôt nous quitter, hein. Ah bon, quand ça? Ah, d'un jour à l'autre, peut-être même demain. Tu ne sais pas, son médecin l'a demandé en mariage. Voilà une bonne nouvelle. Ça, ah, c'est bien. Elle ne savait pas comment te l'annoncer, alors elle m'a demandé de le faire. Tu sais, elle avait si peur que tu fasses des difficultés. Oh, mais enfin, mais pourquoi? Au contraire, je suis ravi pour elle. Ah oui, oui, ben un vrai Mac n'aurait pas réagi comme ça, crois-moi. Oui, mais moi, je suis un faux Mac, alors on fait avec ce qu'on a. Voilà, bon. Tiens, Blanchette, à des épousailles en vue, je te le dis aussi. Ah bon, avec un, oh là là, un Congolais, je crois. Ils veulent monter un restaurant. De la cuisine congolo-gabonaise. Ça peut plaire, ça, ça peut plaire. Bon, ben c'est formidable, tout va bien, tout s'arrange. Oh. Tu vois, ton boxon est en train de tourner à l'agence matrimoniale. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On pense à la concurrence. Hein. Le rendement est moins bon. Alors, non, le standing est meilleur. Hein. Allez, non, c'est quand même dommage. Hein. Quoi donc? Bah, maintenant qu'on a refait les chambres. Oh. Tiens, en fait, les peintres ne sont pas...
pas venu aujourd'hui. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Je vais lui téléphoner au patron. Ça va. Tu sais combien une chambre comme ça pourrait te rapporter par jour? Bien exploité, évidemment, parce que là, vraiment, on tourne au ralenti. Hein. Ah, parce que là, on est au ralenti. Que ça doit être en accéléré. 1000 balles. 1000 francs? Oui. Par jour? Oui. 1000 francs par jour, 4 chambres, 4000 francs. 4 chambres? Comment ça, 4 chambres? Et où vais-je, moi? Et où dors-je? Hein? Ailleurs, sans doute, parce qu'à ce prix-là, je ne peux pas me la payer. 4000 francs par jour. Oh, Germaine! Tu te rends compte, pendant 30 ans, on a dormi sur un trésor, nous, dis donc. 4000 francs par jour. Ça en fait les clafoutis, hein? Ah, ça oui, hein? Et même le dimanche? Ah ben non, le dimanche, c'est un petit peu moins, parce que tu sais, ces messieurs aiment bien rester en famille. Ouais, il y a du coulage. Oh! En fait, tu pourrais compter sur 10 briques par mois, à l'aise, hein? Et l'honorabilité dans tout ça? Oh, bon... Oui, oui, c'est vrai. Je suppose qu'avec 10 briques par mois, on doit pouvoir se l'offrir. Ouais, bon, ben écoute, moi, il faut que j'aille faire un petit tour à la pharmacie. Tu n'as besoin de rien? Non, non, non. Tu n'attends pas de copain? Ah non, moi, je ne travaille jamais là où je vis. C'est un principe. T'as bien raison, bien raison. Oh, dis! Hein? J'avais pas remarqué. Tu sais que ta veste te va très bien. Tu trouves? Ouais. Ben, c'est toi qui me l'as offert. Le pantalon aussi. Les chaussures aussi, d'ailleurs. En fait, je suis un homme entretenu, quoi. Un gigolo, quoi. Un gigolo. Eh oh, oui. C'est vrai. Tiens, j'ai peut-être pas le physique, mais j'ai le mental. Un gigolo, ça, ça va. Ben, en tous les cas, tu n'es pas mal du tout, hein. C'est vrai, je sais. J'ai de bons yeux. Oh, mais je disais pas ça, mais tu... Oh, tu as du poids. Oui, ben ça, je sais aussi, merci. Oh, mais je parlais pas de ce poids-là. Quoique, avec quelques kilos de moins, tu serais encore mieux. Pour plaire à qui? Mais à moi? T'es déjà pas si mal? Dire qu'il a fallu que j'attendisse plus de 60 ans pour que les compliments plus. C'est du verbe pleuvoir, il est assez rare. Dis donc, ça fait longtemps que tu nous avais pas fait une petite crise. Amédée, c'est l'émotion? Pourquoi voudrait-elle que je m'émusse à la fin? Oh. J'ai laissé la porte ouverte parce qu'il y a des lits qui arrivent en voiture. Mais le téléphone, moi. Allô? Ah, le peintre! Oui, justement, je parlais de vous. Ah ben non, pas en bien, voyez-vous. Dites-moi, vos ouvriers ne sont pas venus aujourd'hui? Parce que c'est vendredi. Voilà, ils ne travaillent pas le vendredi. Parce que... Ils sont musulmans. Ah bon? Eh ben c'est pas grave, on les verra demain. Ah vous ne travaillez pas le samedi, vous? Ah bon, parce que vous êtes juif. Oh, dites-moi, comme depuis 2000 ans, la chrétienté ne fout rien le dimanche, ben on se verra lundi. Ah, le lundi, les magasins sont fermés. Hey, hey, hey. Ah, il y a mal à trouver de la peinture, hein. Hey, hey, hey. Ah là. Dites-moi, pour les 3 jours qui vous restent là, vous n'avez pas des maoïstes, des shintoïstes, des hindouistes, même des bouddhistes aussi? Non, vous n'avez pas. Ah, dites-donc, il n'y a plus qu'une greffe qui peut vous sauver, vous. Alors, voilà, pardon. Les couleurs, bah, je n'ai pas changé d'avis, non? Non, 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 je ne change pas d'avis. Voilà, vous payez en blanc et je paye au noir. Comme prévu. Bon, bah, alors, à mardi. Voilà. Oh. Salut mon pote! Tiens, tu t'es recyclé dans la carpette? Oh, mais on parle pas, ouais. Ah. Hey, je peux le mettre dans ton coffre? Tu veux mettre ton tapis dans mon coffre? Oh, bah, putain, ça me rendrait vachement service, ouais. Bah, on y va, de toute façon, depuis le Gabonais, il est vide. D'accord. Tiens, oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton tapis, là? Ah, mais c'est rien! Ah, bah, c'est rien, tu. C'est rien, c'est juste un mec qui triche au poker. Et peut-être que je te connais. Tu lui aurais fait crac-crac d'entrée. Oh putain, tu sais qu'il nous avait tout ratissé, ce fumier-là. Ah non, parce que maintenant, pour les tricheurs, c'est ici le terminus. Mais non, mais t'inquiète pas, il ne fait que de penser. Dédé. Hé, laisse-moi t'expliquer, je t'explique. Dédé, je t'aime bien,
Mais enfin, faudrait peut-être pas prendre mon coffre pour une boîte à gants. Il vous en reste plus? De quoi? Des boîtes à gants. Mais si... Bon bah tu vas pas me laisser ça ici alors. Mais non. Écoute, j'ai déjà débarrassé de deux. C'est pas pour t'en recoller un troisième, hein? D'accord? Et puis laisse-moi t'expliquer. Je t'explique. Je te demande juste un petit service. Bon. Un petit service? Pourriez pas me garder un cadavre pour l'après-midi? Faudrait peut-être aussi que je l'embaumasse. Mais écoute, tu peux quand même pas me refuser ça, Ahmed. Et puis laisse-moi t'expliquer. Je t'explique. C'est un accident. Je ne te demande pas de plaider, je te demande d'ôter le corps du délit. Mais je vais l'enlever, t'affole pas. Et puis laisse-moi t'expliquer, je t'explique. On jouait au poker avec ce mec qui trichait à mort. C'est le mot juste. Quand Robert s'en est aperçu... Robert, c'est un gars de notre équipe à nous. Enchanté. Il lui a pris un coup de sang et il lui a filé un coup de couteau. Voilà. Et t'appelles ça un accident? Mais c'était un coup de couteau au hasard. Il visait pas le cœur alors. Oh, c'était juste pour chatouiller quoi. C'était... À mon avis, il a dû toucher le foie. Ah bon? L'autre, il devait avoir une petite faiblesse de ce côté-là. Il a pas supporté. Ça, quand on n'est pas en bonne santé, faut pas tricher. Hein. Oh, et mon vieux Ahmed, et si t'avais vu, il nous a claqué dans les doigts. Paf, comme ça, dis donc. Voilà. Et c'est moi qui en hérite. Ah ben merci, hein. Enfin, je voudrais pas vous en priver quand même. Oh, mais je le reprends ce soir. Et puis, de toute façon, je vais l'emmener chez mes potes. Ceux qui ont la presse pour les bagnoles, là. Tu sais, t'inquiète pas, il aura sa boîte à gants comme tout le monde. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'il vient faire chez moi? Il aurait très bien pu rester dans le coffre de ta voiture. Mais laisse-moi t'expliquer. Je t'explique. Mes potes et moi, on est convoqués chez les flics pour une affaire de cartes grises qui ne sont pas tout à fait... Pas tout à fait grises. Bon, bref. Mes potes qui sont ferrailleurs. Ouais. Bon, quand il y a une belle bagnole accidentée qui arrive chez eux, ouais. Alors on essaye d'en piquer une pareille, on change les papelards. Comme ça, ça nous évite de réparer l'épave. Tu piges? Quand on peut faire des économies, hein, pourquoi se priver? Eh ben, va faire comprendre ça aux flics, tiens. Ah, ils sont pas toujours très coopératifs, hein, c'est vrai. Hein? Oui, enfin, bref. Bon. Eh ben, écoute, figure-toi que j'ai pensé à toi. Voilà, c'est tout. C'est gentil. C'est gentil, merci. Non, mais écoute, si on ne s'aide pas entre potes, hein... où est-ce qu'on mettrait les cadavres, hein? Eh, ouais. Bref, bon, et dis donc, faut que j'y aille parce que les poulets m'ont filé rancard. Alors, faudrait pas que je les fasse patienter parce que ça va les rendre de mauvais poils, d'accord? Oui, t'as raison. Mais tu reviens quand, là? Mais t'inquiète, j'en ai pas pour longtemps, j'en reviens le plus tôt possible. D'accord. Et puis, te tracasse pas, hein? Il va pas faisander, le gardien, hein? Ah bon? Mais non, il est tout frais. Regarde, il est de ce matin. Oh ben, s'il est tout frais, alors, bon... Ah, tiens, dis donc, au fait, j'ai ça de la pure de Colombie, tu vois. Ah bon? Bon. Tu me diras ce que t'en penses, et si t'en veux d'autres, je peux t'en avoir autant que tu veux, tu vois. Tiens, planque ça vite fait dans la boîte à mouchoirs, là. Ah bon, ben, bon. Dans les mouchoirs, hein. D'accord. Qu'est-ce que ça reste entre nous, Salut, Néné, tu pars déjà? Oui, j'avais un rendez-vous, alors je pars. Mais je reviens le plus tôt possible, t'inquiète. Oh, à très bientôt. Salut, mon pote. Ben, dis donc, t'en fais une tête. Il t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Non. Il m'a comblé de cadeaux. Des cadeaux? Regarde dans le coffre. Non, une pochette surprise. Mais qui c'est ce mec? Mais je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il trichait au poker et sa façon de jouer ne plaisait pas à ses partenaires. Voilà. On a pas été plus. Fou d'aider d'avoir amené ça ici. Ah non, mais il me l'a juste prêté pour l'après-midi. Je lui le rends ce soir.
Oh, mais enfin, mais il fallait refuser. C'était difficile, parce que jusqu'à présent, il a toujours pris nos macabées. Alors, grâce à lui, on n'a pas eu d'invendu. Mais enfin, pourquoi le mettre là, dans ce coffre? Ça, c'est parce qu'il est tout frais. Hein? Il est de ce matin. Et tu sais bien que pour les mettre dans la boîte à gants, il faut attendre le soir. Or, cet après-midi, Dédé est convoqué à la gendarmerie. Il a pensé que d'y aller avec un tapis sur l'épaule, ça le ferait pas. Ah, mon pauvre Amédée, la vie est dure, hein? Ben, dure, dure, non, mais bon, s'il n'y avait pas tous ces avatars aussi, c'est vrai, quoi. J'ai à peine le temps d'apprendre mon rôle qu'on me change d'emploi. De petit retraité, je deviens un tueur, puis macro, puis tenancier de bordel, maintenant croque-mort, alors je patauge. Mais tout ça va bientôt finir. Kiki se cherche un studio et moi je vais regagner mes pénates. Eh bien, je n'ai pas demandé non plus que tu partisses avec elle, que tu quittasses la maison comme ça du jour au lendemain. C'est vrai, Amédée, tu veux que je reste encore un peu? Le temps que tu t'habitues un petit peu? C'est vrai, Amédée. Moi je vais faire une tarte. Oui, voilà, quand je suis pas dans mon assiette, moi je fais de la pâtisserie, ça me calme. Je m'excuse, la porte d'entrée était ouverte, alors je me suis permis de... Oh mon Dieu, un spécial! Oh là là, les pauvres filles! Vous avez rendez-vous avec Kiki ou avec Blanchette? Pardon? Je suis bien chez Amédée Rousseau, non? Ah oui? Ah bon, je suis son cousin, le père Joseph. Il est là au moins. Vous êtes un vrai? Un vrai quoi? Un vrai curé? Un vrai de vrai? Mais pardon, bien sûr que je suis un vrai curé quand même. Pourquoi il y en a des faux? Oh là 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 là! Amédée! La pâtisserie est un art, alors aussi j'aimerais quand même que... Amédée! Joseph! Amédée, quelle joie de te revoir depuis le temps! Mon petit père Joseph! Oh, ça me fait plaisir, hein! Sacré Amédée, là! Sacré Joseph! Bienvenue, donc. Alors, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'aurais dû prévenir, enfin! Mais écoute, j'ai bien essayé de te téléphoner avant de partir. Ah bon? Mais figure-toi qu'on me répond qu'il n'y a plus d'abonnés à ton numéro, toi, dis donc. Bah! Eh oui! Eh ben tiens! Ah, mais oui! Ah oui! Oh! On m'a changé mon numéro il y a 6 mois, excuse-moi, j'ai complètement oublié de t'appeler. Ah là là! Et comme on se téléphone si peu souvent aussi. Ah oui, c'est vrai, ça. Alors, comme je n'ai pas le temps de faire des recherches, je suis venu comme ça, quoi, sans prévenir. Mais t'as bien fait. Ah, bah, oui. Mais dis donc, oh mon Dieu, je croyais que tu étais toujours célibataire, toi. Mais je suis célibataire. Non, mais, oh là. Hein? Ah oui, c'est Katia. C'est Katia, c'est ma gouvernante, voilà. Et ça, c'est Joseph, mon cousin Joseph, curé de Saint-Flougnac, dans le Périgord. Enchanté! Très heureux de faire votre connaissance, très heureux. Moi de même. Ta gouvernante? Oui. Ta gouvernante? Oui. Oh mon Dieu. Bon, moi je peux très bien aller à l'hôtel, tu sais. Non? Ah mais non, mais Joseph, mais enfin voyons, mais ta place est ici. Ta place est ici. Hein? Non? Si? Peut-être pas. C'est-à-dire que... Ouais. Ben non, hein. Que voulez-vous que je fisse, enfin? Une fille, là-haut, enfin, quand même. Oh, allez, je n'ai pas compris, là. Je n'ai pas compris. Tu sais, avec l'âge, j'ai du mal à ouïr, hein. Ah, oui. Oh, je ouis mal. Ah, oui. Je ouis mal en ce moment. Pas toi? Non, moi, ça va. Non, ça va. Non, il veut dire qu'il a du mal à entendre. Ah bon. Donne-lui ta chambre, nous on s'arrangera. Oui. Alors, Joseph, oui. Tiens, tu vas dormir dans ma chambre. Dans ma chambre, parce que tu vois, le salon est en réfection. Alors, à l'étage, je loue des chambres à des étudiantes. À des étudiantes? Oui. Oh, ça leur rend service. Ah bon? Oui. Elles sont catholiques au moins.
Elles ont l'air catholiques, hein? Oh, alors là, tout à fait! Oui! Alors là, écoute, Amédée, tu fais bien. Tu vois, quand on a une grande maison comme ça, eh bien, il faut savoir la partager avec ceux qui ne savent pas où aller. Qui couchent n'importe où! N'est-ce pas, mademoiselle? Absolument! Ah, mais je partage, je partage. C'est ici que ça couche maintenant. Tu as ma bénédiction. Merci, mon père. Les étudiantes, hein, ça met de l'ambiance, quoi. Oui. Ça remue, ça. Si ça remue. Mais dis donc, en fait, si je prends ta chambre, où vas-tu dormir, toi? Là, dans le canapé. Dormir. Ah non, alors là, pas question. Ah, si, pas question, c'est moi qui vais dormir sur le canapé, non? Chez moi, je dors dans le canapé, voyons. Et dis donc, n'oublie pas quand même que je suis ton aîné. De 6 mois. Eh bien, justement, ça me donne le droit de dormir sur le canapé. Parce que, tiens, et puis on va pas s'engueuler pour un canapé, alors... Amédée, ce soir, il faut vider le coffre. Putain, le coffre, Parlez plus fort, j'ai du mal à ouïr. Je jouis mal quand même. Je te disais que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, eh bien écoutez, moi je vais vous laisser, je vais aller faire quelques courses. Vous dînez avec nous ce soir? Oui, bien sûr, Joseph dîne avec nous, bon, quelle question. Voilà. Avec plaisir alors. Eh bien on va essayer de vous préparer quelque chose de bon. Très gentil, très gentil. À tout à l'heure. Très gentil. Ah, ah. Sacré Joseph. Elle est bien, dis donc, cette gouvernante. Oui. Mais où l'as-tu trouvée, quand même? Un feu rouge. Non, ben, je voulais dire tout à fait par hasard. Alors, et toi, dis donc, alors, quel bon vent t'amène? Oh, ben tiens, dis donc, parlons de bon vent. Eh bien, ce n'est pas le bon vent, hein. Ah. Tu te rappelles de Machavoine? Vaguement. Le fils du postier, quand même. Ah, un petit gros? Mais non, le grand maigre. Enfin bref, il est mort, dis donc. Ah. Il jouait aux cartes tranquillement. Il jouait pas au poker, dis-moi. Ah non, au bridge, avec sa femme et des amis. Et il s'est effondré, dis donc, tout d'un coup. Oh. 63 ans, quand même. C'est dangereux, ça, les cartes. Ah là 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 là, on est peu de choses, quand même, je te le dis, moi. Bon, dis donc, tu veux boire un verre, manger un petit morceau, quelque chose? Non, tu es gentil, je n'ai pas le temps, hein. Oh. Je suis juste venu te prévenir que j'étais là, te laisser ma valise. Oui, mais tant bien fait. Parce que moi, il faut quand même que j'aille rendre une visite à la veuve de ce pauvre Machavoine. Oui. C'est rue du Bac. Comment y va-t-on, tiens, ici? Rue du Bac. Non, écoute, je vais t'emmener en voiture, ce sera plus simple, et puis on pourra parler en route. Hein? Ah, ben écoute, comme tu veux. Voilà. Tiens, mais dis donc, avant de partir, je prendrai bien un petit cachet d'aspirine, dis donc. J'ai dû prendre un petit coup de froid dans le train, moi. Un petit coup de froid? Oui. Je vais te chercher ça. Mais gentil, tiens. Bouge pas. Des mouchoirs là, ma valise. Bon, dis donc. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, non, je suis bien aimé, moi. Mais alors, chérie, alors qu'est-ce qu'il fait là tout seul, son gros loulou? Hein? Ah, mon minet? Oh! Alors, chérie, on est venu chercher un gros câlin? Oh, non. Oh, il est timide avec ça, son petit bonhomme, hein? Oh, on va bien s'occuper. José! Mais enfin, José! Écoute, Amélie, je t'assure quand même. Tu me connais quand même, j'étais là, moi. Un curé? Tiens, tu vois, elle avait même pas vu que j'étais un curé en plus. Mais toi, t'avais pas vu que c'était une fille? Tiens donc! C'est un vrai? Mais évidemment, un vrai de vrai, c'est mon cousin Joseph. Enchanté, hein? Très heureux. Hey, on va vraiment tout dans ce boulot, hein? Ton copain est parti, toi? Non, il est en panne. Tiens, prends ton aspirine. Si tu veux, je peux même rajouter du bromure. Oh, mais écoute, Amédée, je t'assure, c'est un malentendu, quand même. Malentendu, quand on a du mal à ouïr aussi. Oh là 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 là. Mais cette petite m'a pris pour quelqu'un d'autre, alors. Eh oui, sans doute. C'est une de tes étudiantes, ça? Oui. C'est vrai qu'elle a un petit côté, dis donc. Mutin, je trouve, non? Mutin, comme tu dis. Bois donc ton verre. Sacré Joseph! Ah, ça fait plaisir de te voir! Ah, je suis content. Content.
Alors là, tu sais que tu deviendrais très affectueux avec l'âge, toi, hein? Ah bon? Ah oui! Quand je pense que nous avons le même âge que ce pauvre Machavoine, oh, lui qui nous a quittés sans que nous le revissions. Oui, allez, viens, on y va. Attends, une minute, je ne me rappelle plus de l'adresse exacte. Je ne me souviens plus du numéro, les gens. Je crois que c'est le... Mais écoute, ça fait rien. Tu cherches ça dans la voiture. Allez, viens, ne faisons pas attendre Machavoine. Machavoine, tu sais, il a l'éternité devant lui. Bon, alors, oh, une seconde, il n'y a pas le feu quand même, bon. Il y a pas le feu. Non, mais on n'en est pas loin. Si ça continue, moi, je retourne en Colombie. C'est plus calme, là-bas. Ah, sacré Joseph. Bon, tu perds, Joseph. On fait aussi les saumons maintenant? Ça me fait plaisir. Alors là, écoute, là, Médée, toi, ça me touche beaucoup, ce que tu fais là. Ah bon? Ça me touche beaucoup, mais enfin, quand même, regarde, oui. Je suis là. Oui. Tu me vois quand même, regarde. Hein, tout va bien quand même, bon? Tu trouves? Mais oui. Oh, yo. Tiens, 128 rue du Bac. Bon. Eh bien, maintenant, on y va. Allez. Oh, ce que tu peux être nerveux, moi, dis-donc. Mais non. Allez. Non, on y va plus. Les copains s'en vont. Et alors, ça te gêne qu'ils voient un curé ou quoi? Oui, non. Si, enfin, c'est-à-dire que, vois-tu, oui. Les copains sont protestants. Ah bon? Voilà. Et tout à l'heure, tu m'as dit que les petites, les étudiantes étaient catholiques, alors... Oui, les étudiantes sont catholiques et les copains sont protestants. Voilà, ici c'est œcuménique. Ah oui. Mais tu sais que tu es bizarre, toi. Ah bon? Tu es bizarre, hein? Tu trouves? Oh! Mais c'est le coffre de Tantalis, ça, dis donc! Ah, dis donc, tu te rappelles quand on se cachait dedans? Mais là, on peut plus rien y mettre, là. Ah non, il est complet, c'est plein. On peut plus rien mettre dedans, rien. Ah là. C'est fou ce que cette maison, dis donc, me rappelle le passé. Pas à toi. Eh ben moi, j'ai déjà beaucoup de mal comme ça avec le présent. Alors, quant au futur, Dieu que ça s'annonce bien. Mais ben, Yves. Oui. Est-ce que t'étais un fumeur là? Mais putain, j'ai cru que ces vaches-là allaient me garder pour une demi-heure, t'es fou! Ils m'ont gardé jusqu'à maintenant! Ils ne pouvaient plus se penser de toi! Hein. Oh, ces poulets, c'est vraiment des oculaires de mouches! Hein. Ah, des pauvres petites bêtes! Bon, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le coffre! Ah, je suis là pour ça! Ah, bon? Seulement, j'ai un problème! Oui, ben moi aussi! Non, parce que les flics, ils ont gardé ma bagnole en fin de compte! Bah, on prendra la mienne! Ils veulent vérifier les numéros de châssis, les numéros de moteur, va savoir! Prendra la mienne. Non, mais c'est pas tout. Allons bon. Parce que mes potes qui sont ferrailleurs, oui. Ben, ils les ont gardés eux aussi. Alors là, il paraît que c'est la pagaille complète dans tous les numéros de bagnole. À mon avis, ils seront pas relâchés avant 48 heures. Hein? 48 heures? Ah non, mais Dédé, là, c'est pas possible. Parce que dis donc, là, il est peut-être tout frais de ce matin. Mais dans 48 heures, ça va cocoter, hein? Oh. T'en prends un congélateur? Si, mais pas de cette taille-là, enfin, quand même. Alors, si tu veux, je peux te donner un couteau à découper le gigot. Peut-être qu'en le coupant en petits bouts et en le tensant, ça va rentrer. Hein, Dédé, enfin, oh. Ahmed, quand t'as buté Polo, tu voulais le foutre à la flotte. Eh ben, on n'a qu'à y mettre celui-là, c'est tout, hein. T'as quand même bien un petit coin tranquille où tu vas pêcher. Eh ben, allons-y, allez. Non, allez. Mais, avant, laisse-moi te parler de mon problème. Cet après-midi, j'ai un cousin. Il est arrivé à l'improviste, alors je suis obligé de le loger. Hein? Et je lui ai proposé ma chambre. Mais il veut dormir dans le canapé, parce que les chambres à l'étage, elles sont toutes occupées. Ô combien! Et comme il est têtu, il va dormir dans le canapé, à 3 mètres du coffre. Voilà. Il dort bien? Non, justement. Il se lève toutes les demi-heures. La prostate. La prostate? Mais j'ai un truc formidable pour ça, moi, tiens. Hé, hey, attends, c'est radical. Tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est? Un somnifère. Ben, je vois pas le rapport. Deux cachets, il pisse au lit,
mais il se réveille pas. Je vais peut-être pas le droguer non plus quand même, hein. Mais déconne pas, j'en prends tous les soirs, moi, alors. C'est efficace. Si je te le dis, écoute, deux cachets, et au bout d'un quart d'heure, il s'écroule comme une masse. Paf ! Garantie. Comme une masse. Mais on pourra même jouer du corps de chasse auprès, alors c'est te dire. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ? Oh, Amédée, on t'a gardé de la table. Oh. Elle est sublime. Ah bon ? Eh, ça c'est un bon déguisement aussi. Oui. Eh, il est en cavale lui aussi ? Joseph, je te présente Dédé. C'est un ami de la maison, hein, là. Alors, Dédé, je te présente le révérend père Joseph, curé de Saint-Flougnac dans le Périgord. Curé de... Hey. C'est un vrai Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Dis donc, je ne peux pas rencontrer quelqu'un sans qu'on me demande si je suis un vrai curé. Hein? Tu ne ferais quand même pas le trafic de faux curés, non? Non, mais c'est que... Ah, on n'a pas l'habitude de rencontrer un curé dans un... Dans un pavillon de banlieue. Voilà. Ah bon? Non. Oui. Il faut bien qu'on couche quelque part, quand même, nous aussi. C'est vrai. Faut bien qu'il couche aussi. De temps en temps. Oui, bah alors écoute, toi tu viens ici, là tu t'assois, là il y a le programme, t'allumes la télé, mais tu te tais. Oh. Voilà le café. Oh, tu es là, Dédé? Tiens, pose-le sur la table, je vais servir. Oh, je peux bien le faire. Non, non, laisse, je m'en occupe. Deux cafés. Deux cachets et pof, hein. Je sais, comme une masse. Alors, Dédé, combien de sucre dans ton café? Joseph, combien de sucre dans ton café? Alors, là, non, pas de café pour moi, ça m'empêche de dormir, là, non? Pour le mien, sûrement pour le mien. Ah non, vous allez voir, avec le sien, vous allez vous endormir comme une masse. Pof! Garantie. Ah bon? Ah oui, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce café? Oh, il est fait par moi! Ah bon, alors dans ces conditions, hé, une petite tasse, alors. Oui, je vais chercher une tasse pour Dédé. Vous avez raison, vous le regretterez pas. Regarde la télé, toi. Enfin, quand même, pourquoi es-tu si rude avec notre jeune ami, là, quand même? Vous avez vu comment il me parle? Ben oui, mais enfin... Ne vous laissez pas faire. Il a bon fond, mais c'est un ours. Et je vois que vous le connaissez bien, hein? Si je le connais, mais parti, bien sûr que je le connais. Hé, nous sommes cousins, n'est-ce pas, mon fils? Disons qu'on est quasiment des frères, mon père. Merci. Vous parlez en code, là? Bon, il n'y a pas un match de foot ce soir, là, regarde. Un match de foot ce soir? Ça m'étonnerait, attends. Un match de foot ce soir. Une petite cuillère, Joseph. Tiens, j'en prendrais bien une tasse, moi aussi. C'est parti. Tenez, je n'y ai pas touché. Merci. Mais non! Hé, Bordeaux-Saint-Étienne, c'est demain soir. Qu'est-ce que c'est encore, ça? Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe, là? Oh, Tiens, Dédé. Alors là, Bordeaux-Saint-Étienne, ça va être un sacré match. Hein. Ça vous intéresse, le foot? Ouais, comment? Bien que je préfère nettement le rugby, quand même, hein. Alors moi, le foot, c'est ma passion, hein. Ah, vous avez raison, c'est sain, ça. Mais au fait, vous, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ce que je fais dans la vie? Oui. Je suis impresario. Impresario? Ah, ouais, ouais. Oh, c'est un beau métier, ça. Mais alors, vous avez des vedettes, alors? Ah non, moi, ce sont des débutantes. Mais je les mets au travail tout de suite, hein. Ah, vous avez raison. C'est en travaillant qu'on apprend le métier, comme je dis. Et vous, hein? Vos affaires, ça oh, marche? Oh, ben, nous sommes une très vieille maison, hein. C'est vrai qu'au début, on a eu des problèmes, quand même. Mais maintenant, ça tourne, hein. 800 millions de clients, quand même. 800 millions? Oh, la vache! Oh! Et des fidèles qui reviennent régulièrement. Bon, il y a bien quelques brebis garées de temps à autre, mais sur le nombre, on s'y retrouve, hein. Ah oui, que voulez-vous?
Nous vendons du bonheur céleste, nous. Moi, ce serait plutôt du bonheur terrestre. Ah bon? On devrait s'associer, nous. Oh, hé hey, 800 millions? Oui. Et top là, moi, je signe demain. Ah bon. Oh là là. C'est encore Kiki. Hein. Toute une pile d'assiettes, c'est pas possible. Ah bon. Oh là là. Alors, heureusement que j'ai pas sorti le service de Sèvres de ma grand-mère. Ah oui, mais enfin, quand même, pour moi, tu aurais pu, là, quand même. Ouais. Là, mon amour propre en prend un coup, là. Je préfère que ce soit ton amour propre plutôt que mon service de Sèvres. Tu veux encore un peu de café? Ah non, merci, pas le café, non, c'est fini. Bon. Dis donc, le match de foot, c'est pour ce soir ou quoi? Demain. Regarde, vérifie toi-même. Voilà. Bien dommage. Père, vous savez qu'il reste encore de la tarte. Et vous êtes un petit gourmand. Oh, alors là, je ne dis pas non, rien. Je suis prêt à commettre le péché de gourmandise et à le recommettre, tiens. Eh bien, je vais vous chercher ça. Non, ne vous dérangez pas, je vais aller le prendre directement à la cuisine. Oh, tiens, le mort, oui, mais moi, tiens. Dédé, j'espère que tu sais ce que tu fais avec Joseph, hein? Oh! Mais bien sûr! Ouais. Et la preuve, je sais me tenir. Il veut même s'associer avec moi, alors. Pardon? S'associer, mais dans quoi? Oh. Mais non, je déconne, là. Ouais. Par contre, quand on sera au calme tous les deux, j'ai une affaire formidable à te proposer. Un truc fabuleux, hein? Je te mets dans le coup. Mais juste toi et moi. D'accord. Eh bien, écoute, en attendant, tu vas venir avec moi à la cave, parce que je dois avoir une espèce d'enclume qui fait au moins 20 kilos pour lester le corps. Ah oui? Eh oui. Eh bien, une enclume, mais c'est tout ce qu'il faut, là. Ah, ah oui, eh, faudra qu'on pense aussi à récupérer le tapis, hein. Non, parce qu'il vaut une fortune, ce machin-là. On prendra une branche de pain, il y en a plein de salons. Eh ben, d'accord. Bon, on en profite pendant que Saint-Joseph est en train de bouffer sa tarte, là. On y va. Oh, dis donc, eh, si seulement il n'avait pas triché ce con-là non plus. Oui, ben écoute, la prochaine fois qu'il y a un problème au poker, tu m'oublies, moi. Ah ouais. Amédée, ton cousin est bizarre. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Oh là 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 là. Yahou, oh, quelle tarte! Quelle tarte! C'est bien simple, on en mange l'air, dis donc. Ah, oh, j'ai une de ces formes, moi. Une pêche. Tiens, oh là. Et là, je pourrais vous péter trois messes d'affilée. Et en latin, en plus, non-stop. Vous voulez parier, vous? Oh, franchement, non, c'est peut-être très gentil, mais non. En arrivant à Saint-Flounien, je vais te le répéter. Une messe permanente, à eux. Les clients arriveront quand ils voudront, et ils ne repartiront que quand ils auront vu tout le programme. C'est pas génial, ça? Certainement. Souhaitons la blanchette! Je vais mettre un peu de tête du pays. Oh! Youpi, voilà Kiki aussi! Hein? Les copines, je vais pas me taper la vaisselle toute seule, moi! Oh! Tu la fais pas! Tu la casses! Mais le reste à la poubelle! Ça ira plus vite! Hey, dis donc, toi, la bronzée écrase, là, si tu m'avais pas bousculé dans la cuisine, hein! Te bousculer? Oui, moi! Oui! Pauvre paysanne, va! Je ne bouscule jamais personne! Je suis une féline! Oh, moi. Katia, elle confond féline et babouine! Regarde un peu, patate, et admire! Oh non, Jésus! Oh non, Jésus, que c'est bon, ça! Je peux en faire autant, hein! Oh, fente de chouchou, que c'est bon, ça! Ouais. Oh là! Oh! Attendez-moi, les copines! Attendez-moi! Ouais. Oh. Oh, j'ai une fente! Allez! Allez, va manger! Ouais. Oh. Allez, les filles! On y va! Allez, les copines! Oh!
cachet et panf comme une masse. Mais attends, attends, tu vas voir. Tu vas voir. Ça doit être un somnifère anticlérical, ça non? Y'a pas à dire, hein. La religion, c'est plus ce que c'était. En tout cas, l'intégrisme n'a pas encore touché sa fouillac. Moi, je me rappelle quand j'étais chez les jésuites, eh ben. T'as été chez les jésuites, toi? Parfaitement. Un trimestre. Ah, et oui. Après, ils m'ont foutu dehors. Ils ont senti le danger. Hé hey, Joseph qui se prend pour l'appel missionnaire. Il veut me convertir. Hé, dis donc, il va pas bien, papa Joseph. Qu'est-ce que vous voulez refiler et tout? Ah, mais attends, attends, tu vas voir. Allez, tout le monde à la confesse, là. Allez, ça saute, là. Oh, ma Kiki. Non, hein. Oh, ma Kiki jolie. Viens ici, toi. Viens ici, ma Kiki. Viens, ma Kiki. Oh, le cucu du Kiki. Oh, il est là. Mais ça, ça doit pas être triste, ça flouniaque, hein. Moi, j'y connais. C'était comme ça, en Afrique. Joseph! Oui. Allons! Un peu de tenue quand même! De la tenue? Oui! Regarde, j'en ai de la tenue, je tiens très bien, regarde! Oh, j'en ai de la tenue! Oh! Oh, tiens, je vais me cacher dans le coffre! Ah, on va se marrer! Non! Pas aujourd'hui, demain! C'est toujours toi qui te cachais les dents quand on était petit quand même! Demain! Aujourd'hui, c'est mon tour! Demain! Bon. Tiens, Joseph! Oui. Tu vas aller à l'étage avec les étudiantes et tu vas aller les confesser, tiens! Tu feras une bonne action! Oui, oui, oui. Allez, youpi! Tout le monde à la confesse! Eh ben dis donc, la vie devient très dure dans cette maison, hein. Ah non, mais il nous fait une allergie, là. Ah ben oui. Hé, hey, tu sais où tu peux te les mettre, tes cachets, toi? Quel cachet? Non, non, rien, je t'expliquerai plus tard. Mais attends, attends, bon, alors, tu vas voir, hein. Allons-y, là, on en profite, on y va. Hein. Mais où ça? Et balancer le corps à la flotte. Profitons de cette accalmie parce qu'il y en aura peut-être pas d'autres, hein, tel que c'est parti là. Tiens, Katia, tu peux aller à l'étage. Tu dis aux filles qu'elles gardent Saint-Joseph avec elles le plus longtemps possible. Invente une histoire, n'importe quoi, on s'en fout. Bon. Et t'as vu dans quel état il est, Joseph? Comment ils vont faire, les pauvres filles? Comme elles veulent, on s'en fout. C'est pas grave. Bon. Tu sais, plus je réfléchis, c'est pas très moral, ça, hein? Oui, ben, bah, mettre un mec à la flotte, c'est pas très moral non plus. Bon, Dédé, tu te dépêches, on y va. Oh! Dédé, on se bouge! Dédé. Ouais, patience! Dédé, tiens! Regarde, je vais amener la bâche. Alors, tu mets la bâche là. Comme ça, tu mets le corps dedans. Moi, je vais chercher la voiture. Je me gare devant le perron. J'amène ce qu'il faut pour l'attacher. Et puis, comme ça, ça devrait le faire. Tiens, je baisse le courant. Là, tu y vois assez comme ça? Pas de problème. C'est parfait. Bon, comme ça. Si Joseph redescend, tu auras le temps de planquer le corps, hein, avant qu'il retrouve l'interrupteur, lui. Oh là là! Bon! On y va, Dédé. Eh oh. On se dépêche. Ouais, oui, oui, oui. Oh, 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 oh. Amédée, où es-tu? Amédée, où est-ce qu'ils sont passés, ces connards? Oh, Amédée, Dédé, mais enfin, mais c'est impossible, mais où est-ce qu'ils sont passés? Oh, je vais pas rester ici, moi, tu parles d'une veillée funèbre. Ah non! Ah, oh, tu m'as fait peur! Oh, enfin, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je suis venue te dire pour Joseph, ne te tracasse pas. Ils se sont enfermés tous les trois dans une chambre. Ne me demande pas ce qu'ils font, j'en sais rien. On s'en fout, il ira se confesser. Où est Dédé? Mais il est pas avec toi? Non. T'as regardé dans la cuisine? Non, il n'y est pas. Bon, ben, je sais pas, il est peut-être aux toilettes. Ben, en attendant, donne-moi un coup de main, ficelle-lui les pieds.
Hein? Non, moi je suis en train de penser, ça serait mieux. Oh là là, ça serait mieux si c'était moi qui t'accompagnais. Ah bon, pourquoi? Eh bien parce que si on était surpris par une patrouille, eh bien on pourrait faire semblant de batifoler. Mais pourquoi semblant? Mais bon, ben, qu'est-ce qu'il fait, cette andouille de Dédé, là? Allez, on y va, on y va, on y va. Hein? Ouais, écoute, ça me gêne, mais enfin, je voudrais te dire quand même que... Non, hein? Non, écoute. Ne discute pas, c'est mon intuition féminine qui parle. Allez, bon, on allez, y va. Attends, je prends les pieds. Prends les pieds. Allez, chose. Oh non, merci. Balancer les gens à la flotte, moi, ça me donne des erreurs d'estomac. Oh, mais en tous les cas, ça s'est pas mal passé du tout. Oh ouais. Tu crois que Dédé nous aura attendu? Même pas. Je parie qu'il est parti jouer au poker, celui-là. Ah. Attends que je remette la main dessus. Voir qui c'est, Ahmed de Bogota, là. Ouais, eh ben dis donc, tu devrais en profiter pour le mettre définitivement dehors, hein. Ah, là. Quel boulot. Oh, là, le livre. T'as pas l'air dans ton état normal, toi non plus, hein? Amédée, viens voir! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais viens voir, je te dis, Amédée, viens voir! Oh, ne me dis pas que Joseph est dans le coffre, quand même! Serbet! Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Mais on va faire déborder la Seine, là! Mais tu te demandes pas qui on a mis à la place? Comment ça? Qui on a mis à... Nom de Dieu, Joseph! Mon petit père Joseph! C'est pas vrai! Oh, eh ben, parlons-en de papa Joseph! Qu'est-ce qu'il est, lui? Là-haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue au rugby. Oh, ben c'est pas grave. Oh, ben dis donc, peut-être, mais dis donc, c'est. Eh, c'est le roi du plaquage, hein. Ben, dis donc, j'avais pas connu curé avant, mais là, dis donc. Oh. T'as pas demandé de rentrer dans les ordres non plus. Oh, ben pour l'instant, c'est plutôt lui qui rentre dedans, hein. Tu vas arrêter de me laisser toute seule. Oh, ben écoute, c'est la mi-temps. Et comment que ça se passe là-haut, hein? Il a encore marqué un essai. Oh, le voilà. Allez, hop. Kiki, allez, blanchette, allez, 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 là, passe, voilà ma Kiki. Hé, hey, t'as vu, je dois l'emploi à faire le départ, celui-là. Hé, hey, était-ce bien nécessaire? Ah, oh, mais ils ont, un sacré bon coup de main, un peu. Tu sais s'entraîner un peu, allez, non, non, mais elle s'entraîne beaucoup, hein. Et, oh, non, c'est Kiki, là, oui, mon Kiki, viens ici. Allez, viens ici, mon Kiki. Oh, oh là là, oh, je craque, je craque, je suis pas ici. Une bonne sœur, moi. La Kiki, ici. Viens ici, la Kiki. Viens ici, la Kiki. Allez, Blanchette! C'est ça les jours de le bon! Blanchette, ne la laisse pas toute seule! Je préfère aller au turbin! Oh là là! Eh ben, en tous les cas, ils sont tous les trois en bonne santé! Hein. Mais alors, dans la banche, c'était qui? Eh ben, Dédé, qui veux-tu que ça soit? Mais Dédé, mais comment est-ce possible, enfin? Mais qu'est-ce qu'il foutrait en tortillé dans la banche? Il a pas voulu nous faire une blague, cette andouille, là. Eh ben, à mon avis, c'est lui qui a pris les cachets dont tu m'as parlé tout à l'heure. Mais non. Le café avec les cachets, je les ai donnés moi-même à Joseph. Alors? Ah, oh, mais j'y suis! Ah bon? Parce que Joseph m'a gentiment offert sa tasse, et comme moi, je n'étais pas au courant, j'ai accepté. Et quand Kiki a cassé la vaisselle, j'ai refilé la tasse à Joseph. Ah, Dédé, eh ben écoute, eh ben voilà, ne cherche pas plus loin, c'est ça. C'est pas vrai. C'est... Eh ben, je suis un assassin, moi. Mais non. Ben si, ben si. Mais non. Ben si, tu fais le con, tiens, je tue davantage en temps de paix qu'en temps de guerre, moi. Oh. La mafia à côté, c'est une œuvre philanthropique. Oh, mais non, allez, 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 calme-toi. Tiens, tu sais ce que tu devrais faire? Oui. Tu devrais monter dans ta chambre te reposer, tu serais bien mieux là. Ah non, je ne veux pas aller à l'étage, moi j'ai pas envie de jouer au rugby. Allez, 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 calme-toi, mon petit Amédée, calme-toi. Oh, allez, repose-toi. Pauvre Dédé, j'espère qu'il s'est pas réveillé en se noyant. Hein? Oh. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein? Non, non, mais bon. C'est vrai, quoi. Je l'aimais bien, moi, Dédé. Mieux t'es habitué.
Bah, il avait pour l'eau l'électricité à tous les étages, mais enfin, c'était plutôt sympa, quoi. Bah oui, allez, n'y pense plus, repose-toi. Allez. Et quand je pense qu'il faudra remettre ça demain soir. Oh. Chut. Oh. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dormez. Dormez, je reviendrai un autre jour. Il est l'heure de se lever. Oh, Kiki, tu nous quittes déjà? Oui, et Jacques m'a téléphoné hier soir. On prend l'avion aujourd'hui pour aller voir sa mère à Nice. Oh, quelle bonne nouvelle. Bien content pour vous. Je voulais vous en parler hier soir, mais avec tout ce ramdam. Oh, comme tu dis, ce ramdam. Tiens, je vais faire le café. Alors, comment ça s'est terminé avec Joseph hier soir? On a fait match nul. Alors, dis donc, alors. Et quelle vitalité, hein. Il n'y a pas à dire, hein. La religion, ça file la pêche, hein. Ah, c'est sûr. Ah, Kiki qui s'en va. Voilà, tiens, c'est pour toi. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est mon cadeau de mariage. Oh, bah non, Ahmed, t'as déjà été chic de me laisser partir comme ça. Écoute, moi, c'est vrai, et moi, j'étais prête à dédommager, hein. Oh, bah, dis, j'ai quand même bien l'air de faire un cadeau, non? Mais hey, tu t'es gouré, hein? Hey, tu l'as mis en ancien franc, mais regarde, il y a beaucoup trop de zéros, hein? Regarde-moi ça! Mais non, le compte est bon! Je sais encore ce que j'écris quand même! Oh bah non, c'est trop! Franchement, Ahmed, je peux pas accepter, c'est beaucoup trop, hein? vraiment! Écoute, tu le prends! Ou tu restes ici. Moi, je ne céderai pas. C'est comme tu veux, hein. Choisis. Oh, ça, c'est chic. Oh, tu veux que je te dise, Ahmed, t'es pas fait pour être Mac. Ah ben, c'est ça. Tu vas me vexer, là. Traite-moi aussi de bourgeois tant que tu y es. Non, mais c'est vrai. Écoute, Ahmed, toi, t'es beaucoup trop gentil. Ouais. Bon, je papote, il faut que j'y aille, hein. Ouais. J'ai commandé un taxi qui doit m'attendre. Bon, c'est pas tout. J'ai quand même faire un petit bisou à Katia, hein. C'est pas de problème. Katia! Amédée. Oh, Amédée. Joseph! Descends, je t'en préviens. Ah, Amédée, dis donc. Oh, mon Dieu, que t'as l'air fatigué, dis donc. Ah, oui. On dirait un vieux cierge. Hier soir, je ne sais pas ce qui m'a pris, hein. J'avais pourtant bu raisonnablement, non? Ah, oui, sans doute. Ça doit être le café, ça, dis donc. C'est possible. Allez, n'en parlons plus. C'est de ma faute. Allez. C'est ça. Ah, je suis quand même très mortifié d'avoir perdu la tête comme ça, quand même. Joseph, tu es curé depuis combien de temps? 43 ans, dis donc. Pourquoi? Non, parce que perdre la tête tous les 43 ans, je peux pas appeler ça une habitude non plus, hein. Tu seras pardonné, va. Allez. Pardonné, mais attention. Oh là, mais je n'ai rien fait de mal, là. Oh non. Quoique, dis donc, j'aurais pu, hein. Heureusement, dis donc, je suis tombé sur des jeunes filles très, très vertueuses, hein. À qui le dis-tu? Et puis au moins maintenant, elles savent faire des passes. Oui, bon, ben ça va, hein. Bon, il faut que j'y aille. Faut que j'aille quand même à l'enterrement de ce pauvre Machavane. Tu reviens ici après ou... Non, je vais prendre le train directement pour Saint-Flouillard. Allez, on se reverra dans 43 ans. Eh ben, mon Dieu, faudra forcer sur le café, hein. Allez, salut mon père. Ah, vous êtes là, bonjour Joseph. Oui, bonjour. Salut Joseph. Vous prendrez bien un petit café avec nous, Joseph? Non, merci, prends le café pour moi, non? Non? Non, c'est bien, non? Bon, j'y vais, moi je viendrai vous voir à mon retour, hein. Donne-moi ta valise, Tiens, dis donc, Kiki, est-ce que t'as un taxi? T'as un taxi, je crois. Oui. Eh ben, profitons de ton taxi pour emmener Joseph. Oh, mais avec plaisir. Allez, Joseph, en avant. On va jouer les prolongations. Allez. Oui. Youpi. C'est perdu, hein. Avec le pêche, voilà. Salut mon poteau, tiens. Allez. Oh, je ne sais pas, moi. Tiens, dans le fond, tiens. Je vais rester ici à coucher ce soir, le moi. Ah bon? Allez. Ah, les petites femmes de Paris. Allez, les petites femmes. Mais alors là.
Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais c'est pas le café. C'est pas la ménopause non plus. Ah, mais dites, vous dans quel état il est, Joseph? Dis, il est souvent comme ça? Il est jamais comme ça. Jamais. Il va falloir que j'aille faire un tour à Saint-Flouniac, moi. Ça peut peut-être encore se guérir, ça. Oh. Eh bien, Amédée, le rideau va bientôt tomber. Ouais. Kitty est partie, Blanchette va nous quitter. Et moi, je vais regagner mes pénates. Tu vas retrouver le calme de cette grande maison. Non, là, j'ai bien réfléchi. Je crois que je vais la vendre et je vais me retirer dans le midi. Tu vas la vendre? Alors on ne se verra plus. Il se pourrait aussi que tu envisageasses de t'y installer aussi. Le climat est meilleur. Amédée, si on habitait dans la même ville. Il se pourrait même que nous trouvassions à loger dans le même immeuble. Amédée, pourquoi pas ça? Assassin, non! Assassin! Dédé, mais d'où sors-tu, toi? Mais de la Seine, figure-toi! Heureusement que tu sais pas faire les nœuds, mon salaud! Parce que l'enclume est allé au fond et moi je suis remonté à la surface! Oh, bah dis donc! C'est un accident! Je suis ravi parce que c'est un accident! Un accident? Ah oui! Ah non, attends, ouais! Je me retrouve ici au fond de l'eau avec une enclume au pied et il appelle ça un accident! Non, mais attends! Toi, ta gueule, la grosse! Tes complices! Là, il m'énerve, là, il est en train de gâcher ma joie, là! La prochaine fois, je ferai des nœuds marins! Bon, alors moi. N'avance pas! N'avance pas ou je te flingue! Tu crois pas que je vais me laisser faire crac-crac, non? Dédé, écoute, j'ai mis les cachets dans la tasse de café que j'ai ensuite donnée à Joseph. Mais, pendant que j'avais le dos tourné, il l'a gentiment offert à Katia. Et moi, je te l'ai refilé quand Kiki a cassé la vaisselle dans la cuisine. Voilà, c'est tout. Et c'est uniquement ça. Ensuite, t'as dû t'écrouler, paf, comme une masse, sur la branche. T'as dû t'enrouler dedans. Nous, on t'a cherché partout. On a cru que tu t'étais défilé. Me défiler, moi? Ben oui. Ouais. Hey, c'était pas le moment de se poser des questions. Alors, on a fait le boulot, Katia et moi. Voilà. Et c'est seulement en revenant qu'on a vu que l'autre, il est toujours dans le coffre. Voilà. Oh, une regrettable bévue, j'en conviens. Surtout pour moi. Mais enfin, j'ai toujours dit que les somnifères, c'était mauvais pour la santé. Mais tu vois. Tiens, Dédé, est-ce que tu veux un café, Dédé? Ah non, alors merci. Plus de café, moi. Non, non, il s'est habitué à l'eau maintenant. Attendez, là. C'est vrai ce que vous me racontez, là? Bon, écoute, tiens, regarde dans le coffre, il y est toujours. Hein. Faudra peut-être d'ailleurs qu'on s'en occupe, enfin. Eh ben, c'est bien fait pour sa gueule. Il avait qu'à pas me laisser sa place. Mais enfin, mais pour quelle raison voudrais-tu que je me débarrassasse de toi? Et pour me piquer mes gonzesses, voilà. Oh, quel petit esprit, enfin. Mais tes gonzesses, mais je m'en contrefous. Hein, j'ai d'ailleurs moi-même rendu leur liberté à Kiki et à Blanchette, hein, tu vois. Oui. Et puis d'ailleurs, la maison, là, ah ben, je la vends, puis je vais me planquer ailleurs. Voilà, tu terminé. Tu vends la baraque? Ouais. Et... Tu vends la baraque? Oui. Mais attends, moi j'avais un truc formidable à te proposer. Écoute, j'attends 6 gonzesses de Thaïlande. Bridées, tout. Alors on monte ici un institut de massage. Ouais. Officiel. Légal, hein. Eh. Tu vois un peu ce qu'on fait? Bah on masse. Ouais, mais avec des doigts de fée. Alors on papouille, là. 6 gonzesses avec des doigts de fée. Tu vois un peu ce que ça fait? 60 doigts si elles sont complètes. 20 briques! 20 briques par mois! 10 pour toi, 10 pour moi! Alors, hé, hey, tu ne t'occupes de rien. Toi, tu restes cool, tranquille. Moi, je te les envoie, je m'occupe de tout. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Ahmed? Non. Non, tiens, tu vois, Dédé, non. Ahmed de Bogota prend sa retraite. Tu fais passer le mot. Allez, putain. Et Katia? Ah ben, Katia, elle vient avec moi. Je pars pour son biscuit, moi. Oh, merde! Oh, une petite seconde. Je sais, je suis un salaud. Thank you.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la pièce que nous venons de vous interpréter est de Alain Reynaud Fourton. Mais laissez-moi vous expliquer. Je vous explique. Allons là, c'est la gueule, hein. Moi, je sens le coupe-coupe, hein. Aurélien Chapon. Et Michel Lelièvre. Oh, Pépé, tu sais que tu commences à me gonfler le boulot. Armel Perrault. Moi, j'y connais. C'était comme ça en Afrique. Anne Vitre. Et qu'est-ce que j'ai comme client qui parle plus gentil, moi? Daniel Lelièvre. Que je vais te leur péter une messe permanente. Les clients arriveront quand ils voudront et ils ne repartiront que quand ils auront vu tout le programme. C'est pas génial, ça? Joël Barbet. Ah, mais chez les petits retraités, il y a plein de traumatisés du slip. Elisabeth Poirier. Eussiez-vous voulu que j'appelasse la police, que vous ne vous y fussiez point prise autrement? Michel Nemo. La mise en scène a été faite par Rosemarie Demey. Les décors par Michel Bouénard, Gérard Toal, Maurice Renaud, Claude Tanou. Et Bernard Chenaleux. La décoration par Michel Ledors et les maquillages Jacqueline Robert. Alors, vu le succès remporté par cette pièce, je sais que certains aiment bien rire, d'ailleurs vous nous l'avez fait comprendre. Nous avons décidé d'offrir une représentation supplémentaire à Bretagne, Solidarité, Pérou, Bolivie. Le mardi 5 décembre, les réservations seront également chez Rosemarie Demey. Vous pouvez téléphoner 02 99 06 42 87. En espérant vous avoir fait passer un agréable après-midi, on vous dit à l'année prochaine et peut-être avant.